Alors, en fait, l'idée, en fait, ce que je vais faire, donc j'espère que vous avez de l'énergie pour suivre les choses jusqu'au bout, parce qu'il y a maintenant la partie pratique qui va commencer. Donc, ce qu'on veut faire, c'est qu'on va chercher des exemples d'applications. Donc, en source, il est déjà sur GitHub. Donc, vous pouvez bien sûr le retrouver. Donc, vous allez retrouver les liens tout à l'heure. Donc, on va créer un système qui se compose finalement d'un service back-end qui permet de gérer un portefeuille de devises. Alors, c'est ce que j'ai appelé ici un portefeuille de devises. Donc, ici, voilà, donc un portefeuille, donc c'est Wallet Service. Et après, un service back-end pour valider les opérations. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée principale, c'est que ce Wallet Service, il nous permet de créer des wallets avec des devises. Et après, on veut faire des transferts des devises d'une wallet vers une autre, donc d'une devise vers une autre. Et à chaque fois qu'on veut faire le transfert, ce service-là, backend, lui-même, il a besoin de demander l'autorisation à un service qui s'appelle eBank Service. Donc, on va lui envoyer une requête. Donc, ça, c'est ce service eBank Service. Donc, il va exposer une API RESTful, alors que Wallet Service, il va exposer une API via, en fait, GraphQL. Donc, ça, c'est juste pour changer, parce qu'en fait, il s'agit de la même chose en réalité. Il y a des petites particularités. C'est pour cela que j'ai préféré traiter les deux cas, GraphQL et REST. Donc, et après, il y a l'application Angular. Donc, le front-end, c'est une single-page application avec Angular. Quand on va lancer Angular, Angular, il va, à un moment donné, on va être redirigé vers Cakelock. On va s'identifier. Une fois qu'on va s'identifier, bon, une fois qu'on va s'identifier, l'application Angular, on est redirigé vers Cakelock, on est identifié, il y a le mécanisme qui va être échangé. Donc tout ça, il est fait par le Cakelock Adapter, c'est-à-dire tout ce que je viens de vous montrer tout à l'heure, cet échange de redirection, demander le token, récupérer le JWT. Donc, fait par Cakelock Adapter. Donc, on récupère le token. Une fois qu'on est authentifié, à chaque fois que je veux accéder au service backend, on envoie le JWT. Et après, via un Cakelock Adapter de Spring Boot, ici, on va. Pardon. Donc, voilà, quand j'envoie la requête vers Wallet Service, donc il y a un Cakelock Adapter qui va faire qu'il va récupérer le token de JWT, il va vérifier l'identité. Et après, quand il fait l'opération, il a besoin d'envoyer une requête vers un autre service. Lui-même, il va envoyer la requête pour demander le transfert et il va envoyer le JWT. Comme ça, l'autre service, il identifie l'utilisateur. Donc ça, c'est le mécanisme que je viens de montrer tout à l'heure. Donc, en détail, c'est ça, si vous voulez. Donc, au départ, on va avoir donc l'application Cakelock, plutôt l'application Angular, en localhost 4200, par exemple. Vous avez Cakelock qui va utiliser le port 8080. On va voir comment le démarrer. Vous avez Wallet Service qui va utiliser le port 8082 et eBank Service qui va utiliser le port 8083. Alors, maintenant, qu'est-ce qui se passe au départ? On va demander l'application donc localhost 4200 index.html. C'est une single page application. L'application Angular va s'afficher côté browser. C'est index.html. Et à partir de cette application, il y a une page template. Il y a des ressources qu'on peut consulter sans authentification. Il y a des routes qu'on va protéger. Quand je veux afficher les wallets, je demande par exemple les wallets à l'application. Eh bien, tout simplement, comme Wallet va être protégé par Cakelock Adapter, eh bien, tout simplement, on va être redirigé. C'est une redirection vers Cakelock. Donc, tout ça, c'est l'adaptateur qui va le faire. Et après, du coup, Cakelock va nous donner le formulaire. On va saisir username et le mot de passe. On fait le post. Alors, Cakelock va récupérer.
Alors, vous me confirmez, s'il vous plaît, si vous recevez toujours audio? J'ai vu quelques appels. J'espère que tout va bien. OK, merci. Alors, donc, voilà. Donc, c'est une redirection qui va se faire. Une fois que je suis authentifié, on va encore rediriger vers quoi? Vers tout simplement la callback. Le callback, c'est tout simplement c'est l'application Angular ici. On va encore vers Angular, on va lui donner le code d'autorisation. Et Angular, à partir de ce code d'autorisation, il envoie une requête vers Keycloak pour récupérer le token. Il récupère le JWT. Bah, tout ça, on n'a pas besoin de l'écrire parce qu'en fait, c'est ça l'adaptateur qui fait tout ce travail-là. Une fois que, donc, ça veut dire que je suis authentifié. Maintenant, si je demande, par exemple, wallet transfert, je veux transférer, par exemple, une de. Voilà, un montant d'une wallet vers une autre, d'un portefeuille vers un autre, qu'est-ce qui va se passer? Et bien, tout simplement, cette application-là, il va récupérer le JWT. Il récupère le, c'est-à-dire, l'application Angular va envoyer, donc ça, c'est une interface, donc une requête GraphQL vers wallet service. Qu'est-ce qu'il fait l'application? Et bien, tout simplement, il récupère le JWT du front-end. Ben, tout simplement, il récupère le public key, mais généralement, le public key, il est déjà, il se fait une seule fois. Donc, une fois qu'on a le public key, il vérifie la signature, il fait le traitement, il vérifie l'identité, et en même temps, il va envoyer la requête, vers e-bank service pour demander le transfert. Cette fois-ci, c'est une API RESTful qui est exposée ici. Donc, le JWT, il est toujours envoyé. Après, la même chose. On récupère public key, on vérifie la signature et après on demande la réponse est donnée, après voilà, on reçoit le résultat. Alors, c'est tout un enchaînement qui peut sembler compliqué, mais si vous avez un peu vraiment encore de l'énergie, alors on va essayer donc de voir comment rapidement faire ça. Alors d'abord, il faut noter que en fait, Keycloak, la première des choses dont vous avez besoin, c'est de télécharger Keycloak. En fait, Keycloak, c'est télécharger. En fait, la dernière version, donc c'est la version de 19.02. Vous voyez donc quasiment, ça va très vite, les versions. Parce que tout ce qui est, surtout les outils de sécurité, c'est un enjeu important. C'est-à-dire, si vous avez un outil qui n'est pas tout le temps mis à jour, etc. Il faut vraiment faire attention, parce que c'est un open source, c'est vrai, vous avez le code source, c'est bien. Mais en même temps, l'année dernière, je me rappelle, c'était la version 15, maintenant c'est la version 19. Donc, il y a toujours des améliorations, c'est-à-dire qui se font. Alors, en tout cas, donc, pour télécharger Keycloak, donc, vous allez remarquer une chose pour les habitués de Keycloak. En fait, les versions précédentes de Keycloak, en fait, ils sont basés sur un serveur d'application qui s'appelle Wildfly. En fait, Wildfly, c'est un serveur, c'est l'ancien JBoss. Parce qu'en fait, avant, il y avait un serveur d'application qui s'appelait JBoss. À partir de sa version 8, il a changé de nom au Wildfly. Et c'est un serveur d'application qui respecte les spécifications J2E, c'est assez connu. Il dit que donc, quand vous téléchargez donc le Keycloak, vous démarrez Keycloak se forme, en utilisant un serveur Wildfly. Mais récemment, en fait, il y a une version qui a été créée. D'ailleurs, vous voyez ici, il est deprecated, déprécié. Alors, il y a la version qui est basée sur Quarkus. Alors, en fait, Quarkus, c'est quoi? Quarkus, c'est un framework qui permet de créer des applications réactives Java. C'est un framework, c'est tout un écosystème exactement comme Spring. En fait, Quarkus, si vous voulez voir vraiment dans le domaine du Java, c'est le concurrent direct de Spring. C'est vrai que Spring, c'est la maturité, c'est beaucoup d'années d'expérience, etc. Mais Quarkus, lui, il a été créé pour améliorer un certain nombre de choses, notamment par rapport à Spring. D'abord, Quarkus, il est basé sur une technologie qui s'appelle Vertex. Alors, Vertex, c'est la technologie qui permet de créer des applications réactives, Java. Si vous voulez, Vertex, c'est en fait c'est le Node.js de Java. Celui qui a créé en fait Vertex, et bien, tout simplement il utilise
les entrées-sorties non bloquantes pour créer des applications en Java, exactement comme vous le faites avec Node.js. Et du coup, en fait, Red Hat avait pris cette technologie Vertex et il a construit dessus un framework qui s'appelle Quarkus, qui à peu près qui a les mêmes caractéristiques de Java. Bon, l'idée principale, c'est quoi? C'est d'abord, premièrement, c'est améliorer le boot. Parce que si vous démarrez une application Spring Boot, il faut toujours faire attention à le nombre de secondes de démarrage, le boot, en combien de temps ça démarre. Et après, si vous revoyez avec Quarkus, il fait un peu plus vite. Il fait plus vite que Spring Boot, c'est-à-dire en termes de boot. Parce que pour des applications du cloud, c'est très important. Le temps du boot, c'est important pour les applications serverless au niveau du cloud. Parce que à chaque fois que vous appelez une fonction, c'est à ce moment-là qu'elle démarre, elle s'exécute, mais une fois qu'elle exécute, elle s'éteint. Donc, ce qui fait que et si quand vous l'appelez une autre fois, il va être démarré. Donc, c'est-à-dire le temps du boot, il est important. Donc, c'est un peu c'est là où il y a en fait une course entre Quarkus et Spring Boot. Spring Boot, à chaque version, il améliore le temps du boot et vous allez toujours le remarquer. Et en plus, ça, c'est en termes de capacité mémoire, etc. Mais bon, en tout cas, ce qui fait que si vous voyez ici des deprecated, ce n'est pas par rapport au spec, c'est pas, ça n'a rien à voir avec la sécurité. C'est-à-dire que vous utilisez Kclock, Wildfly ou Kclock basé sur Quarkus, et bien, tout simplement vous avez les mêmes, c'est-à-dire qualités. La seule différence, c'est que ici vous avez la version basée sur Quarkus, elle est relativement plus rapide en termes de démarrage que celle qui est basée sur Wildfly. Parce que Wildfly, il n'est pas basé sur Spring, c'est un serveur d'application. Quarkus, c'est beaucoup plus rapide que Wildfly et en même temps, ça occupe moins d'espace mémoire. Donc, quand vous mettez Kclock dans des conteneurs Docker, forcément, utilisez la version cette version-là qui est conseillée, c'est mieux. Alors, en tout cas, une fois que vous téléchargez, c'est-à-dire cette version-là, moi je l'ai déjà téléchargée, donc vous pouvez télécharger la version Quarkus. Ça, c'est la version 0.2, 19.2. Je crois que j'ai déjà démarré quelque chose ici, je vais l'arrêter. Alors, en fait, c'est un fichier .zip que j'ai mis dans le dossier Tools. Alors, c'est Kclock. Alors, Kclock, ça c'est la 13, c'est le 19.0.1, ça c'est le 19.2. Alors, je vais essayer de le prendre. Comme ça, je vais lancer une nouvelle instance. Comme ça, vous pouvez voir un peu ce qui se passe dès le départ. Je crée un dossier qui s'appelle classé, dans lequel je mets kclock.zip et je fais extra ici. Voilà. Alors, une fois que c'est fait, on va le démarrer. Alors, cdkc, cdkclock, voilà, cdbin. Alors, pour cette version-là, vous avez un fichier de démarrage. Vous pouvez utiliser Docker, ça marche très bien. C'est-à-dire une image Docker, vous pouvez la démarrer. C'est pareil si vous regardez la documentation. Alors, je fais juste plus simple, comme ça vous pouvez voir. Et après, on va le démarrer en mode dev. On va utiliser start dev. Start dev, en mode dev. Alors, si vous faites ça, vous démarrez Kclock, la version de Kclock basée sur une application qui est basée sur un framework qui est Quarkus. Systématiquement, vous voyez ici, vous voyez Quarkus qui démarre. Il vous affiche en 7 millisecondes, enfin 7000, etc. millisecondes. Donc, c'est une façon de voir. Alors, quand vous démarrez Kclock, alors en fait, Kclock, il faut juste noter que c'est un serveur qui est basé sur la spec GPA. Donc, ça veut dire que vous pouvez l'interfacer avec n'importe quelle base de données. Alors, par défaut, il utilise une base de données de type H2, notamment. Mais vous pouvez l'interfacer avec la base de données. Souvent, parce que là, il y en a beaucoup qui demandent ça souvent, c'est très simple. Ici, ça, c'est la version. Alors, ça, c'est pour démarrer Kclock.
Après, si vous voulez démarrer avec une autre base de données, par exemple, si vous voulez travailler, utiliser une base de données, par exemple, Postgres, par exemple, bah, c'est très simple. Donc, vous avez deux commandes à exécuter. Donc, vous pouvez utiliser d'ailleurs MariaDB, Microsoft SQL, MySQL, Oracle, Postgres. Donc, si vous voulez l'interfacer, si vous voyez que, par exemple, votre application utilise un SGBD et vous voulez conserver le même SGBD aussi pour tout ce qui concerne Keycloak, bah, tout simplement, vous utilisez la commande KC, build, et après l'option DB Postgres, d'abord, pour configurer Keycloak avec Postgres. Et quand vous le démarrez, vous pouvez spécifier ça. Donc, start dev, vous spécifiez donc comment s'appelle la base de données, c'est Postgres. C'est quoi l'URL, c'est GDBC Postgres localhost. Donc, ça suppose que vous avez Postgres dans c'est-à-dire cette adresse-là, et que la base de données Keycloak est créée au niveau de Postgres, username et password. Donc, si vous faites ça, vous allez, si vous consultez donc au démarrage, vous allez voir dans Postgres, vous allez voir. Vous pouvez voir toutes les tables dans lesquelles Keycloak stocke ces données. C'est important de voir ça. Quasiment, il y a 92 tables qu'il utilise dans sa base de données pour gérer tout ça. En tout cas, alors nous, on n'a pas fait ça. Donc, je peux bien le faire, il n'y a pas de souci. Donc, ça suppose que si vous le démarrez comme ça, c'est qu'il utilise la base de données H2. H2, c'est une base de données, en fait, file. C'est-à-dire une file, c'est-à-dire que les données, elles vont être enregistrées dans un fichier, mais en production généralement, c'est pas, il faudrait utiliser un autre SGBD. Vous remarquez également ici, vous voyez donc il y a ces Vertex dont j'ai parlé, il est basé sur Vertex, donc vous voyez donc il y a tout en fait un tas de drivers qu'il supporte, etc. pour communiquer avec les autres applications. Alors une fois qu'il est démarré. Une fois qu'il est démarré, donc on peut y accéder. Donc par défaut, il utilise le port 8080. Alors 8080. Alors quand vous démarrez la première fois, donc vous avez la console d'administration. Pour l'administrer, il vous faut d'abord créer un utilisateur admin. Alors cet utilisateur admin, donc je vais le créer. Donc je vais créer un utilisateur qui s'appelle admin. Le mot de passe, bon, je vais mettre 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Toujours simple. Un super mot de passe qui est intouchable, facile à détecter. Donc, admin 1234 comme administrateur. C'est pas bon. Je crée cet utilisateur. Une fois qu'il est créé, maintenant, quand vous accédez à l'application, vous pouvez accéder à la console d'administration. Alors, dans cette console d'administration, il va vous demander d'abord de s'authentifier. Donc, admin 1234, l'utilisateur que je viens de créer. Et là, vous avez donc l'environnement de Keycloak. Bon, la première des choses qu'il faut faire, c'est de créer ce qu'on appelle un Realm. Realm. En fait, un Realm, c'est quoi? Un Realm, si vous voulez, c'est le territoire à sécuriser. Si vous voulez, c'est le royaume à sécuriser. Un Realm contient plusieurs applications. Parce que pour sécuriser, quand on crée un Realm concerne un ensemble d'applications clientes à sécuriser. Alors, par défaut, vous avez un Realm qui s'appelle Master. Alors, ici, donc, je vais créer un Realm, Create Realm. Alors, on va lui donner un nom, tout simplement. Alors, ici, donc, je vais créer un Realm qui s'appelle Wallet Realm. Je l'appelle comme ça. Bon, je l'active. OK, Create. Alors, une fois que je crée le Realm, maintenant, vous voyez, il est sélectionné ici, celui que j'ai ici. Et après, maintenant, dans un Realm, on va créer les applications à sécuriser. Alors, ici, donc, pour créer les applications à sécuriser, il faut créer ce qu'on appelle des clients, les applications clientes. Supposons, moi, ce que je veux faire, je veux sécuriser une application qui s'appelle Wallet Client. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais créer un client, New Client. Alors, Client ID, on va l'appeler Wallet Client. Je l'appelle comme ça. Alors, ici, donc, il y a beaucoup de champs qui ne sont pas obligatoires. Ici, pour le moment, on peut le laisser comme ça par défaut. Après, Next. Alors, ça, c'est dans l'interface de cette version, elle est relativement différente de la version précédente. Alors, ici, on va voir par la suite Client Authorization, Authentication. Est-ce que vous voulez identifier? Parce qu'en fait, quand on va identifier les clients, les applications clientes, on peut également utiliser, en plus d'un username et d'un mot de passe,
on peut les identifier l'application par ce qu'on appelle un client ID et client secret. Donc, ça, c'est quelque chose que je vais montrer tout à l'heure. Pour le moment, par défaut, je ne l'active pas. Voilà, donc je laisse les choses par défaut. Vous voyez donc, j'ai parlé tout à l'heure de les flows, standard flow. Vous voyez donc, implicit flow, donc ça, c'est ce dont j'ai parlé. Direct access flow, etc. Donc, je garde les options par défaut. Save. Il reste la dernière étape ici. Donc, il y a d'autres informations à spécifier qui sont importantes. Alors, ici, ici, l'URL de l'application est sécurisée. Supposons votre front-end, l'application Angular, je sais qu'il va tourner sur le port 4200. Donc, je vais utiliser ici HTTP localhost 4200. Bon, après, on peut modifier à n'importe quel moment donné. Les valides URL, redirect URI. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai parlé tout à l'heure, quand un utilisateur envoie une requête pour s'authentifier, il envoie le callback. Le callback, c'est l'URL de redirection. C'est-à-dire, une fois que je suis authentifié, je lui demande, redirige-moi vers cette adresse. Alors là, il faut spécifier quels sont les URL qui sont autorisés, valides. Alors, je vais laisser ça, localhost 4200 slash étoile. Alors, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que toutes les URL, si je te demande de me rediriger vers les URL comme ça, slash étoile, n'importe ce qui vient après, c'est autorisé. Alors, si vous mettez étoile, ça va marcher pour n'importe quelle URL, mais il faut faire attention parce que pour des raisons de sécurité, il ne faut pas autoriser ça parce que sinon, on peut facilement intercepter le code d'autorisation et celui qui va intercepter le code d'autorisation, il envoie la requête, il demande une redirection vers une URI qui le concerne. Comme ça, il va recevoir directement c'est-à-dire la redirection vers son application. Et il dit que moi, si vous mettez ces étoiles, donc c'est pas bon. Donc, de préférence, de mettre toujours en fait la liste, parce que ça, c'est une, mais si vous voulez ajouter d'autres, quels sont les URI de redirection qui sont autorisées? Alors, ici, donc, autre chose, quand vous allez faire un logout, c'est-à-dire parce qu'on dans l'application Angular, à un moment donné, on va cliquer sur le bouton logout. Et quand on va faire un logout, on va lui demander encore de revenir, de se rediriger vers l'application. Et l'application, donc, je vais utiliser la même chose. Ici, donc, je vais utiliser la même, HTTP. HTTP de point, double slash, localhost 4200. Je suppose que maintenant, mon application Angular va fonctionner sur 4200. Donc, c'est-à-dire, voilà, la seule qui est autorisée, ici, avec un slash. Web origin. Alors ici donc j'autorise parce qu'il s'agit bien parfois donc s'il s'agit d'une single page application. Rappelez-vous tout à l'heure j'ai parlé de l'affaire de course. C'est-à-dire si je mets étoile ça veut dire j'autorise n'importe quelle page qui provient de n'importe quel domaine d'envoyer des requêtes vers Keycloak. Alors après par la suite il vaudrait mieux mettre la liste en dur. Il faut les coder en dur. Parce que tout ça, ces étoiles que vous voyez là, c'est des failles de sécurité. Donc, il faut avoir des URL qui sont vraiment autorisées, plutôt les domaines qui sont autorisés. Voilà, alors ça, c'est quelques informations. Admin URL, donc ici, on n'a pas besoin. Bref, donc tout ça, je laisse, et après, save. Alors, qu'est-ce que je viens de créer? Donc, je viens de créer un client. C'est-à-dire, c'est une application à sécuriser. Alors, c'est dans Clients, donc vous pouvez toujours voir la liste des clients. Ici, donc, nous avons notre client ce Wallet Client. Alors maintenant, j'ai un client à sécuriser. Alors j'ai également, ici, j'ai les utilisateurs. Alors maintenant, quels sont les utilisateurs qui ont le droit d'accéder? Alors maintenant, si vous voulez que Keycloak se charge des utilisateurs, ben, on va créer quelques utilisateurs pour tester. Alors je vais créer un utilisateur que je vais appeler User 1, par exemple. Son adresse mail, User 1. gmail.com. Voilà, le nom de l'utilisateur, user 1, last name, etc. Il est activé. Voilà, create. Alors, je crée un utilisateur. Alors, l'utilisateur, il écrit, je vais lui attribuer un mot de passe. Donc, dans l'onglet credentials. Alors, ici, on va créer un set password. On va le dire pour le moment, le mot de passe, c'est 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 de cet utilisateur.
Alors, si vous le laissez par défaut comme ça, c'est de laisser un mot de passe temporaire. Ça veut dire que l'utilisateur, une fois qu'il va s'identifier, dès qu'on va saisir 1, 2, 3, 4, il va systématiquement demander à l'utilisateur de changer son mot de passe. Donc, c'est temporaire. Alors, pour le moment, je vais le mettre machine temporaire, c'est-à-dire je le mets définitif, parce que j'ai besoin de faire quelques tests directement Postman. Donc, on va le mettre un mot de passe qui n'est pas temporaire, parce que je vais utiliser des requêtes back-channel. Back-end channel. Alors, set password, OK, c'est bon. Alors, je vais créer un deuxième utilisateur pour en avoir deux. Alors, l'utilisateur, je vais l'appeler Mohamed. L'adresse mail, voilà, l'adresse mail, Mohamed, Yousfi, etc. Je crée l'utilisateur. Alors, les mots de passe, donc la même chose, je vais lui attribuer un mot de passe, 1, 2, 3, 4. Mot de passe, 1, 2, 3, 4. Créer le mot de passe. Ah, bon, il n'est pas temporaire, bon, je peux le changer. Si vous voyez, donc, je sais le password. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et après, il est permanent. Voilà. Alors, j'ai des utilisateurs. On peut créer des rôles. Donc là, parce que notre application elle va être basée sur des rôles. Alors, pour cela, donc, vous avez Realm Roles. Alors, ici, donc, je vais créer des rôles. Par exemple, j'ai le rôle user. Save. Et je vais créer un autre rôle. Admin. Supposons que mon application, j'ai deux rôles, user et admin. Et après, pour attribuer les rôles aux utilisateurs, par exemple, j'ai l'utilisateur user 1, vous avez ici role mapping. Alors, je vais lui assigner des rôles. Par cet utilisateur, je vais dire qu'il a le rôle user. OK, signé. C'est bon. Et après, l'utilisateur Mohamed. Donc, je vais lui assigner les rôles suivants. Alors, quels sont les rôles? Donc, je vais lui donner le rôle user et admin. Signé. Bon, bref, dans un premier temps, on n'a besoin que de ça. Alors maintenant, une fois qu'on a fait ça, maintenant, on va essayer de vérifier d'abord une authentification qui est basée on va prendre Postman. Alors, vous pouvez utiliser n'importe quel outil pour tester. Et comme ça, on peut voir déjà cette affaire-là, le ID token, access token, refresh token. Donc, ça, c'est le premier test que vous allez faire avant de passer à l'application. Alors, ici, donc, directement ici, pour s'authentifier, je veux m'authentifier. Supposons qu'il s'agit d'une application mobile. Donc, vous voulez faire l'authentification. Vous savez, dans une application mobile, vous ne pouvez pas faire le front channel. Vous ne pouvez pas faire des redirections vers Keycloak. Dans l'application mobile, c'est à vous de créer votre propre formulaire. Et c'est à partir de votre formulaire que vous allez envoyer une requête vers Keycloak pour lui donner username et mot de passe. Et après, il vous rend le ID token. Alors, la requête que vous allez envoyer, il est de type post. Alors maintenant, c'est quoi l'URL d'authentification? Alors, pour savoir l'URL d'authentification, ben vous regardez dans votre Realm Setting. Vous allez voir qu'il vous donne. Il y a quelque chose qui est très important en fait, le OpenID Connect. Vous avez ce qu'on appelle OpenID Connect Endpoint Configuration. Alors, si vous accédez à ça, ben, il vous donne ici un ensemble d'adresses. Ça, c'est très utile. C'est ce qu'on appelle dans le OpenID Connect, c'est ce qu'on appelle le point well-known. Donc, c'est-à-dire chaque serveur généralement qui respecte la norme OpenID Connect, ben, il doit implémenter, c'est-à-dire il vous faut un fichier well-known. Qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver un ensemble de choses. Parmi les choses qu'on peut trouver là, on va trouver par exemple, le token endpoint. Vous voyez ici. C'est-à-dire si vous voulez récupérer le token. Il va falloir envoyer une requête. Je ne sais pas pourquoi il a fait cette histoire-là. Alors, c'est-à-dire, voilà. Donc, ici, donc je prends cette adresse, slash OpenID Connect, slash token. Cette adresse-là. Ben, c'est cette adresse que je vais mettre ici. Alors, quand vous voyez cette adresse-là, qu'est-ce qu'il y a? Localhost 8080, Realms, slash. Ben, dans l'ancienne version de Keycloak, il y a toujours hot. Dans cette version-là, donc le hot, il est supprimé. Alors, wallet Realm, donc il faut spécifier, je veux m'authentifier pour quel Realm. Donc, ici, donc j'utilise wallet Realm. Hashprotocol.
Alors, je peux utiliser OpenID Connect, Aula, SAML. Donc, vous voyez, donc ici, on utilise OpenID Connect et après, je demande token. Alors, pour cela, donc pour demander un token, ben, il faudrait envoyer une requête HTTP dans laquelle, de type, d'abord, content type, le header content type, ça doit être donc c'est application 3W, application 3W form URL encoded. Alors, application. S'il te plaît. Alors, là, je fais ça. Voilà. Donc, c'est en fait le format, c'est X3W form URL encoded, content type. Je dois vous envoyer un formulaire classique. Alors, et après, dans Body, vous envoyez donc des informations pour s'authentifier. Donc, qu'est-ce qu'il faut envoyer? Ben, on peut envoyer ce form de soit ici raw ou form data ou ici. Voilà, les champs ici, donc on peut spécifier directement en format texte ou tout simplement je peux spécifier comme ça. Ici, quels sont les champs que je vais envoyer? Alors, il faut forcément envoyer username pour s'authentifier. Username. Alors, c'est pas, voilà, username c'est user 1, par exemple. Password. Ça doit s'écrire comme ça. C'est 1, 2, 3, 4. Et après, il faut envoyer, parce que pour s'authentifier, il existe plusieurs façons. Il y a ce qu'on appelle grant type. Grant type. Alors, du moment qu'on va s'authentifier via un mot de passe, ben, tout simplement, on va utiliser grant type. Et grant type, c'est tout simplement password. Il faut écrire password. C'est-à-dire, c'est comme si je dis à CakeLock, moi, je veux m'authentifier avec un mot de passe. Donc, ça suppose que vous avez envoyé un mot de passe. Et après, le quatrième champ, c'est client ID. Client underscore ID. Alors, c'est-à-dire, je veux m'authentifier pour quel client, pour quelle application client. J'ai déjà créé un client qui s'appelle Wallet Client. Parce qu'en fait, vous voyez bien l'URL ici, il précise le Realm. Alors, ici, je veux m'authentifier pour cette application. Alors, si vous envoyez cette requête-là, send, alors, qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous dit que content type n'est pas supporté. Ici, content. Consume content type cannot consume content type. Alors ici donc j'ai un petit problème au niveau de voilà, il va falloir cocher ça parce que là tout à l'heure j'ai peut-être mal fait. Voilà, j'ai utilisé form data, c'est pas ça, donc je dois utiliser ce format-là. Bon, et du coup donc je vais reprendre. Alors donc les quatre champs. Je répète donc X3W form URL encoded. Je spécifie donc grant type. Alors, grant type. Alors, je veux m'authentifier en utilisant un password. Donc, password. Ensuite, client ID. C'est wallet. Wallet-client. Ça, c'est le nom du client que j'ai créé dans CakeLock. Et après, vous allez spécifier username. Donc, ça, c'est user 1 et password. Alors, password, c'est 1, 2, 3, 4, 4. Voilà. Alors, j'envoie la requête. Et vous voyez donc ici, qu'est-ce qu'il m'a fait? Il m'a envoyé le ID token. Alors, le ID token, comme vous le voyez là, ben, c'est un objet JSON qui contient le access token, comme vous voyez ici. Il est là. Et vous avez le refresh token. Alors maintenant, on va essayer de voir ce qu'il contient. Alors en fait, et en même temps, il vous envoie des attributs comme le access token, il expire par défaut. Vous voyez, c'est 30, c'est 5 minutes. C'est 300 secondes, c'est 5 minutes. Il expire en secondes. Et vous avez un refresh token qui va expirer en 1800, c'est-à-dire 30 minutes. Donc ces paramètres-là, on va les retrouver dans l'interface de CakeLock. Alors si vous voulez savoir qu'est-ce qu'il y a dans un... Ça, c'est un JWT. Alors je prends ce access token-là. Alors, si vous voulez voir ce qu'il y a dans un token, un JWT, bon, vous pouvez chercher dans le site JWT. Par cette barre-là de. Oh là là. Cette barre de Zoom qui me dérange, que vous ne voyez pas vous, mais. Me dérange là-dessus. Pour ma Linux.
Alors, je vais lancer un autre browser. Alors, JWT.io. Alors, sur ce site-là, donc vous avez, en fait, ici, vous copiez votre JWT. Elle est là. Et après, vous pouvez voir ce qu'il contient. Vous voyez donc notre JWT qui génère par Keyclock, voilà, son header. Alors, vous voyez donc ici, il utilise quel algorithme pour calculer la signature? C'est RSA 256, JWT. Et après, vous avez le payload. Alors, on va retrouver donc les claims dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc, il y a il va plutôt, il va expirer. Vous voyez donc ici, si vous pointez là, il va vous dire, il va expirer à 22 h, septembre, 22 h, etc., etc. Voilà, 22, 2, ici, donc, issue at, la date de création, GTI, l'issuer, l'audience, subject. Alors, en fait, subject, c'est quoi ça? C'est user ID. C'est notre user que nous avons créé, donc c'est son user ID. D'ailleurs, si vous regardez dans la base de données, vous pouvez toujours trouver ces informations. Alors, le type c'est bearer, c'est-à-dire porteur. Et vous avez d'autres claims, mais ce qui nous intéresse, c'est donc vous avez ces claims-là et vous avez les rôles. Alors, je vois ici, par exemple, ici Realm Access, les rôles. Et là, je trouve user, c'est-à-dire cet utilisateur, il a un rôle user. Et en plus de cela, il y a d'autres choses qui sont envoyées par défaut, comme par exemple ici. Email, est-ce que l'adresse email est vérifiée? Non, parce que là, l'adresse mail de l'utilisateur, on n'a pas vérifié, parce que Keyclock, il permet de vérifier les emails. Le nom de l'utilisateur, preferred username, c'est ça, given name, family name, email. Donc, toutes ces informations-là, elles sont dans le access token. Donc, le JWT, le access token, c'est ça. Mais après, vous avez la signature. Vous voyez donc la signature, elle est là. Elle est calculée comment? Elle est calculée en utilisant donc les deux clés. Il y a la clé privée et la clé publique. Vous voyez, donc la fonction, c'est RSA 256. Il prend le header, le payload. Il lui donne la clé privée, la clé. Bon, la clé publique, privée, vous ne pouvez pas l'avoir ici, c'est normal. Parce qu'en fait, il est chez Keyclock. Et la clé publique. Alors, pour la clé publique, donc, si vous voulez l'avoir, bon, on peut la retrouver ici, donc, sur l'interface de Keyclock. Alors, il suffit d'aller vers en fait, je crois que j'ai agrandi ça. Oui. Alors, il suffit d'aller vers Realm Setting. Vous avez une partie qui s'appelle Keys. Tokens. Keys. Alors, déjà, au niveau de token, vous voyez donc les paramètres. Donc, Access Token, il va expirer en 5 minutes. Vous avez ici donc le Refresh Token, c'est 15 minutes. Je sais pas, j'ai dit tout à l'heure. 30, c'est pas 30. Donc, tout ça, vous pouvez le régler là. Et après, vous avez donc les clés. Et dans les clés, donc, vous pouvez voir ici le public key, par exemple. Vous voyez donc, si vous voulez voir public key, il est là. C'est-à-dire, c'est la clé publique qu'il utilise pour calculer la signature. Cette clé-là, elle est publique, ça veut dire que n'importe qui peut la recevoir. D'ailleurs, si vous regardez le fichier de tout à l'heure, Will Noun, vous allez trouver public key. Mais private key, il est privé, donc il est quelque part. Si vous voulez y accéder, vous pouvez y accéder, mais ça, c'est pas le plus important. Mais ça, c'est Keyclock qui a le public key. Alors, donc, ça, c'est le token. Vous voyez, donc ici, nous avons donc le access token, il est là. Et après, il y a le refresh token. Après, on va voir. Donc, ce access token, on peut l'envoyer dans sa requête pour accéder au service. Mais une fois que le token, le access token expire, ben, on va demander un autre access token. Alors, si vous voulez demander un autre access token, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre le refresh token que vous voyez là. Et on va envoyer une autre requête. Je vais dupliquer cette requête-là. Dupliquer cette requête ici. Et la même chose dans body. Donc, je vais utiliser. Qu'est-ce que je vais mettre ici? Ben, je vais mettre les informations suivantes. Alors, ça, c'est les données. Alors, grant type, cette fois-ci, ce n'est pas password. Je veux m'authentifier. Grant type, c'est refresh token. Plutôt, c'est ça. Refresh, je crois, underscore token. Alors, j'ai besoin de client ID. Alors, je n'ai plus besoin
de username ni de password. Je n'ai pas besoin de les envoyer. Alors, si vous regardez bien sûr la partie row ici, vous voyez donc les données, elles sont envoyées de. Voilà, elles sont envoyées donc. Si vous voulez, grant type égale valeur, and client ID égale valeur. Mais après, il faut envoyer un autre paramètre qui s'appelle refresh token. Refresh underscore token. Et vous faites ici coller. Alors, c'est-à-dire quoi ça? Ça veut dire que maintenant, je veux m'identifier, je veux m'authentifier, mais je présente que mon refresh token. Alors, si j'envoie la requête, vous allez voir qu'il va vous envoyer un nouveau access token et un refresh token. Donc, vous venez de voir ici donc deux façons pour s'authentifier. Le premier via password, grant type password, parce qu'il faut fournir le mot de passe. Le deuxième via un refresh token. Donc, j'envoie refresh token. Une fois que tant que le refresh token n'a pas expiré, je peux toujours récupérer un token pour m'identifier. Donc, ça, c'est la première solution. Alors, la deuxième solution pour la troisième, la, plutôt, ça, c'est la deuxième solution pour s'identifier. Alors, la troisième solution pour s'identifier, c'est d'utiliser Client ID and Client Secret. Alors, autrement dit, comment faire pour ça? Alors, ça, je vais vous dire un peu quand est-ce qu'on utilise ce genre de choses. Alors, si je reviens à mon client, ici, Clients. Alors, Wallet Client. Vous allez remarquer qu'à un moment donné, il y a quelque part que je n'ai pas coché tout à l'heure, Client Authentication. Je vais l'activer. Ça veut dire quoi, Client Authentication? Ça veut dire que l'application qui m'envoie la requête, je dois authentifier l'application et non pas l'utilisateur. Ça veut dire que l'application devrait m'envoyer quoi? Un Client ID à un client secret. Donc, en plus des mots de passe, il faut envoyer client ID, client secret. Alors, ça, c'est pour les applications back-end. Ça marche parce que le client secret, on peut le stocker quelque part protégé. Mais pour les applications front-end, ça sert à rien d'utiliser client ID, client secret parce que ils peuvent être interceptés facilement. Donc, on peut les avoir facilement. Donc ici, donc, j'autorise l'authentification des clients. Et après, ici, donc, je vais cocher Service Account Role. Donc là, c'est pour permettre cette opération-là, Save. Alors, si j'ajoute cette opération-là, vous allez accéder et vous allez voir, il y a un onglet qui s'ajoute. Parce qu'en fait, une fois que vous cochez cette partie-là, Client Authorization, vous allez voir, il y a un Credentials qui va s'ajouter. Et là, vous allez trouver ici Client Secret. Alors, Client Secret. Ici, vous pouvez voir ce que c'est. Bon, c'est une valeur comme ça. Copier. Alors, si vous avez ce client secret, je peux également m'identifier en utilisant le client secret. Comment? Alors, si je me rappelle bien, donc on va dupliquer encore ce tab. Donc, on va vers la même requête. Ici, dans Body. Alors, cette fois-ci, grant type, ce n'est pas refresh token. C'est client secret. Client underscore secret. Client secret. Et après client ID, c'est celui-là. Ben, c'est tout. Alors, techniquement parlant, si vous envoyez client ID, client secret, alors ici, il me dit unsupported grant type. Donc, j'ai mal écrit ça. Ce n'est pas client secret dans grant type. Je pense que c'est confidentiel. Confidential. Ici. Ou bien client confidential, j'ai oublié, ouais, c'est ça. Client underscore. Non, confidential client. Confidential. Client confidential secret. Alors, sinon, je vais chercher dans les documents. Confidential secret. Underscore secret. Alors, j'espère que j'ai copié ça. Normalement, j'ai mis tout ça dans les slides. Alors, je vais chercher. Cette partie-là, donc là, je vous ai montré ce que c'est. Tout ça, j'ai fait. Tout ça, je vous les mets dans les slides. Toutes ces étapes-là, elles sont là. Et après,
L'identification. Alors, ça, c'est l'authentification via Refresh Token. Donc, via Password, c'est ça. Via Refresh Token, c'est ça. Via Credentials, voilà. Alors, ce qu'il faut envoyer, c'est ça. Ce qu'il faut envoyer une requête avec POST. Grand type, c'est Client Credentials. Et après, Client ID. And Client Secret. Donc, il faut envoyer donc trois paramètres pour s'identifier. Donc, c'est Client Credentials. Donc, ici, donc, c'est Client Credentials. Client ID et après Client Secret. Client Secret. Alors, Secret, maintenant, il faut faire CTRL V. Alors, Client Secret, c'est ça ce que, en fait, normalement, ça, c'est pour les applications back-end. Ça, c'est pratique. On peut, par exemple, vous travaillez des applications IoT, des applications, je sais pas, des applications, par exemple, embarquées ou des applications des microservices. Vous voulez qu'à un moment donné, votre application s'identifie. Donc, il envoie la requête. Il n'a pas besoin d'envoyer un username et un mot de passe. Ben, il a besoin juste d'envoyer, donc, c'est quoi Client Secret, Client ID. Client ID, Client Secret. Vous envoyez la requête. Alors, toujours Grant Type, c'est mal écrit. Grant Type, Client Cree. Oh là là. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, je crois que c'est le signe de fatigue. Alors, Client Cree. Voilà, Grant Type, c'est Client Credentials. Grant Type, c'est Client Credentials. Il y a un S qui manque. Voilà, tout simplement. Alors, vous voyez donc qu'est-ce que j'ai ici. Donc, je viens de m'identifier. J'ai un access token et je n'ai pas un refresh token. De toute façon, ça ne sert à rien. En tout cas, quand vous allez vous identifier avec Client ID, Client Secret, ben, il envoie le access token. Si vous voulez le refresh token, vous allez dans les paramètres, vous dites je veux le refresh token. Mais généralement, pour identifier les applications clients, bon, vous n'avez pas besoin avec Grant Type. Client Credentials, vous récupérez donc le Access Token et avec ce Access Token, souvent vous lui donnez une longue durée et après votre application il l'utilise jusqu'à ce que vous voulez. Mais après, bon, si vous voulez générer le Client Secret, vous pouvez le faire. Mais ici, regardez, supposons maintenant je lui dis ben, je lui dis password. Je veux m'authentifier avec password. Username, password, grant type. Client secret, je ne l'ai pas envoyé. Alors, si vous faites ça, ben, il va vous dire, je ne peux pas vous identifier parce qu'il me faut envoyer client secret. Donc, ça veut dire que maintenant, pour s'authentifier, ben, il vous faut, avec le mot de passe, il faut envoyer donc username, mot de passe, il faut envoyer client secret. Alors, si vous envoyez ça, on peut s'identifier. Voyez, donc, vous avez le access token. Bref. Alors, dans un premier temps, dans notre application, on ne va pas utiliser Client ID, Client Secret. Donc, ça veut dire que mon client, ici, alors, mon client que j'ai ici, Wallet Client, donc je vais désactiver Client Authentication. Bon, automatiquement, il désactive cette partie-là. Donc, pas de problème. J'enregistre. Donc, ça veut dire que maintenant, pour m'authentifier, alors je n'ai plus besoin d'envoyer un client secret. Voilà, authentification qui devrait marcher, pas de problème. Alors, bref, donc, je pense que vous avez une idée. Alors, maintenant, pour voir l'intérêt de tout ça, donc, on va regarder côté application à sécuriser. Comme ça, on a introduit un peu les choses. Vous me confirmez, s'il vous plaît, si toujours c'est OK, vous me recevez comme il faut. Merci, c'est OK. Très bien. Alors, maintenant, côté application dont on va travailler. Donc, voilà. Donc, je vais prendre. Donc, je vais passer à la suite.
Alors, vous savez, pour les gens qui travaillent avec IntelliJ, les requêtes, vous n'êtes pas obligé d'utiliser Postman. Vous avez les requêtes directement sur IntelliJ Post. Voilà ce que vous envoyez, voilà les réponses. Donc, c'est pour cela que je vous laisse un peu les choses ici. Alors, maintenant, les applications. Donc, comme je disais, dans notre cas, nous avons besoin de ces trois applications. On va les récupérer. Donc, vous avez eBank Service. Alors, je vais créer un dossier que je vais appeler Apps. Apps OAuth2. OAuth2. Bon, ça c'est un dossier dans lequel je vais mettre mes applications. Alors, c'est ce que vous allez faire, c'est que dans ce dossier Apps OAuth2, donc on va faire git clone. Git clone. Voilà. La première application. C'est bon. Alors, la deuxième application. Ah, c'est pas ça. Pas Git clone. Donc, vous téléchargez le deuxième microservice si vous voulez. Et le troisième microservice, c'est l'application Angular. Alors, git clone. Voilà. Alors, on va utiliser IntelliJ, on va ouvrir ces applications. Alors, pour cela, donc, je vais m'assurer que tout est bien arrêté. Si donc je ferme d'abord ces applications-là, pour ne pas avoir de conflit avec les mêmes noms. Terminé. Après ici. Terminé. J'arrête l'application. Voilà. Alors ici donc on va ouvrir les projets. Alors les projets. Donc nous avons le dossier Apps. Donc vous avez les trois applications. Vous avez eBank Secured, Trust Project, This Windows. Donc je vais l'ouvrir sur cette fenêtre-là. Alors, je vais ouvrir une autre application. C'est Wallet, plutôt c'est Wallet Service. Wallet Service. Window. Et donc ça c'est le deuxième microservice dans l'architecture que je vous ai montré tout à l'heure. Et la troisième application c'est le front. Le front-end avec Angular. Alors, ici, donc, c'est Angular. Bon, insécurité, mais après, on va les sécuriser. Trust, New Window. J'espère que je n'ai pas fermé les autres. Bon, c'est bon. Alors, pour la première application, ici, c'est une application Spring Boot. On va la démarrer. Il n'est pas sécurisé. Ça veut dire, ici, donc, notre objectif, c'est de voir comment sécuriser, bien sûr. Alors, ça, c'est l'application Angular. Donc, ce n'est pas celle que je vais utilisé en premier lieu. Donc j'ai plutôt donc j'ai eBank. Alors j'ai Wallet front-end, j'ai eBank ici. Alors je vous rappelle quand même qu'est-ce qu'on est en train de faire parce que l'architecture de l'application c'est celle que je vous ai montrée tout à l'heure ici. Voilà, on est ici. Donc nous avons en fait le front-end Angular, nous avons Wallet Service et nous avons eBank Service et après nous avons Keycloak. Tout ça, on les a maintenant ici. Alors l'application, bon, c'est une application Spring Boot, on va la démarrer. Alors l'objectif, ce n'est pas de vous montrer comment développer des applications, ni REST ou GraphQL, ça suppose que vous savez faire ça. Mais on suppose que en fait, il y a une équipe qui a développé l'application. Et que l'équipe ne sache pas comment sécuriser ces applications. Et après, vous allez prendre ce code-là et vous allez le sécuriser. Bon, en utilisant donc
les modifications à faire. Mais si vous voulez savoir comment ce code-là a été développé, dans ma chaîne, j'ai partagé récemment la première partie de la vidéo qui montre comment créer Wallet Service. Donc, si vous voulez revoir, mais sinon, je pense pour ceux qui connaissent déjà Spring Boot et tout ça, donc ils peuvent voir le code, ils vont comprendre facilement ce qui se passe ici. En tout cas, bref, l'application ici, nous gérons deux entités. Il y a Currency Deposit, Currency Transactions. Alors, l'application, ici, le fichier, vous avez le fichier, en fait, application.properties. Donc, vous voyez le port, il va utiliser le port 8084. La base de données, c'est H2. Et la base de données s'appelle Currency Deposit. Donc, c'est-à-dire, si vous démarrez cette application-là, pour des raisons de temps, donc je ne vais pas rentrer dans le code, vous montrer qu'est-ce qu'il y a dans le code, en tout cas de l'application non sécurisée, parce que ce n'est pas ça l'objectif. Mais plutôt, donc, on va la démarrer. Une fois que cette application est démarrée, qu'est-ce qu'il fait? Il va lire, il y a un fichier CSV ici dans lequel il y a des currencies, c'est-à-dire il y a les devises. Vous voyez donc ici donc toutes les devises avec le prix de vente et le prix d'achat. Alors toutes ces données-là, il va les lire au départ, il va les mettre dans la base de données. Donc c'est-à-dire que si vous accédez à l'application, permettez-moi de faire quelque chose parce que là, ça m'énerve, cette partie comme ça. Bon, je vais utiliser un browser comme ça. Alors, si vous mettez localhost 80 84, vous mettez H2 console. Alors, ici, donc, vous avez la base de données, currency deposit. Ben, vous allez voir, il y a deux tables. En fait, vous avez currency deposit. Vous allez trouver tout simplement ici le ID de la devise, la balance. C'est une façon dont la banque on va stocker, c'est-à-dire en fait, on va dire le dépôt de la devise. Ici, donc, vous avez la balance. Et pour chaque transaction qu'on fait transfert d'une wallet vers une autre, la banque, vous savez, il prend une commission. C'est-à-dire, vous savez, dans les devises, il y a toujours le prix de vente, le prix d'achat. Eh bien, il découle donc cette commission-là, à chaque fois qu'il y a une transaction, on va ajouter à la balance la commission de la transaction. Ce qui fait qu'à un moment donné, on va avoir des choses comme ici des virgules, mais ça, c'est des commissions qui vont s'ajouter en tout cas. Alors, ici, donc, ce qu'on peut voir dans l'application, si vous mettez localhost, ici 4000, plus pas 4200, 8084, slash currency deposits. Pluriel, currency, dépôt. S'il y a un qui manque ici. Currency, dépôt. Voilà. Alors, vous voyez donc, qu'est-ce que je vois ici? Donc, je vois une API RESTful, en fait, qui me permet de. En fait, principalement, je peux consulter donc les dépôts de devises, chaque devise, donc il y a les informations. Et après, pour chaque devise, j'enregistre les transactions. Alors, donc, ça veut dire qu'à un moment donné, il y a des transactions qu'on va enregistrer. Pour chaque transaction, on va les ajouter. En tout cas, vous aurez quelque chose comme ça. Et après, avec ça, on peut également faire une opération. Alors, d'ailleurs, ici, sur Wallet, plutôt sur Bank et Bank Service, vous utilisez Tools. Alors, on ne fait pas ça, s'il te plaît. Alors, Tools, HTTP Client. Bon, ça, c'est assez pratique aussi, donc pour ne pas toujours appeler, faire appel. Alors, vous pouvez faire un get localhost 80 84 slash currency deposits, comme ça. Application JSON, vous envoyez la requête directement ici. Bon, ici, donc, on voit les résultats, donc il n'y a pas de souci, parce que l'API n'est pas sécurisée. Et en même temps, on va mettre, pour écrire une autre requête, vous mettez dièse, comme ça, et vous ajoutez une autre requête. La chose qu'on peut faire, c'est qu'on peut faire un post vers HTTP localhost 8084 slash quoi? Slash Je vais vous dire tout de suite. Alors, si vous regardez le contrôleur,
Alors, le contrôleur, vous avez ici currency transfer. Et quand vous faites currency transfer, vous pouvez envoyer des informations sur des informations suivantes. Donc, ici, donc, je vais quand même le faire. Ici, donc, HTTP, donc, currency transfer. Et pour faire currency transfer, il va falloir envoyer ces informations-là en format JSON. C'est-à-dire, et où HTTP est là. Donc, déjà, accept. Donc, accept, c'est application JSON. Content type, c'est application JSON. C'est-à-dire ce que j'envoie. Ici, donc, le corps. J'envoie directement des données JSON comme ça. Mais je peux pas le laisser comme ça. Donc, ici, source. Je fais un post. Donc, source wallet ID. Supposons que je veux faire un transfert de wallet 1, même s'il n'existe pas ici, pas de problème, ça va passer, vers source wallet currency. Je vais faire un transfert, par exemple, de l'euro. Bon, ça suppose que ces codes existent, euro et dollar, donc ça existe. Et destination wallet ID vers USD. Et currency destination, donc je fais une transfert vers une autre devise. Non, ça c'est wallet IDCW2, bon je l'appelle comme ça. Et ça c'est par exemple en dirham, MAD par exemple. Et le montant d'opération. Je vois le montant de l'opération. Voilà. Alors ça c'est un post. J'envoie le post. Voyez donc ici bad request. Voilà, ici donc 400 bad request, pas si mal écrit. Voilà, ici 80. Alors post localhost. Bon, je vais regarder dans le contrôleur. Ici, qu'est-ce que j'ai? C'est currency transfer. Pas de problème ici. Alors, post. Alors, post. Contrôle V. Donc, c'est un post application accept application JSON, content type application JSON. Alors, pourquoi pas de request? Donc, ça veut dire que je n'ai pas envoyé un paramètre. Alors, ici, currency, donc ça, c'est currency transfer. Alors, qu'est-ce que je n'ai pas envoyé comme paramètre ici? Donc, ça c'est source wallet ID, source wallet currency, OK. Destination wallet currency. Ah, voilà un point virgule ici qui est mal envoyé. Alors, c'est ça l'erreur. Le format de la requête n'était pas bon, c'est pour cela que vous avez bad request. Voilà, vous voyez donc ici, donc je fais une opération comme ça, il me transfère et il va me rendre en retour le ID de la transaction, source transaction ID et destination transaction ID. Bon. Vous avez deux endpoints ici. Alors, supposons maintenant, avant de passer à la suite, je veux sécuriser ce endpoint, c'est-à-dire je veux le sécuriser. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour sécuriser avec Keycloak un service? D'abord, la première des choses, vous aurez besoin d'ajouter deux dépendances. C'est Keycloak Adapter et Keycloak, c'est plutôt et Spring Security. Alors, à nouveau, donc, vous allez recevoir ce support-là, donc vous trouverez tout ce qu'il faut. Ici, vous avez, donc ça c'est fait, ça c'est fait, c'est fait, c'est fait, c'est fait, c'est fait, c'est fait. C'est fait, c'est fait. Voilà. Alors, voilà ce qu'il faut faire. Vous avez un seul slide dans lequel vous allez utiliser, bon, ça c'est la sécurité. Vous voyez, donc tout ce que vous allez ajouter pour sécuriser, c'est ça. Donc la première, c'est d'abord ces deux dépendances. Alors on va les mettre, je passe toujours par WordPad parce que pour nettoyer un peu le. Parce que via PowerPoint, ça ne passe pas. Contrôle C. Alors, donc, pomme XML, je vais ajouter la dépendance.
Alors, quelles sont les dépendances? C'est très simple. Spring Security, Spring Boot Startup Security, et vous avez l'adaptateur Keycloak. Mais là, il faut faire attention, vous utilisez de préférence la même dépendance de Keycloak. Alors, si votre Keycloak, c'est qu'on utilise 19.2, 19.0.2, vous utilisez, même avec 19.0.1, j'ai testé, ça marche, mais il vaudrait mieux utiliser la même version, enfin, il vaudrait mieux utiliser la même version de la version Keycloak que vous avez, la dépendance. Alors, ici, donc, je vais update, donc, je vais recharger les dépendances. Donc ça, c'est la première des choses. Donc c'est d'abord, c'est ajouter les dépendances. Bon, la deuxième, c'est d'ajouter quelques paramètres de configuration. Le premier, c'est d'abord, c'est dans le fichier Application Properties. Ben, il va falloir indiquer à l'application un certain nombre de propriétés. Ben, de préférence, donc je vais faire copier-coller rapidement. PowerPoint, elle est là. Alors, les propriétés, je pense que... Oui, elles sont là. Contrôle V, contrôle C. Et je vais les copier ici. C'est très simple, regardez. Keycloak Realm. Il faut indiquer votre Realm, comment il s'appelle. Parce que c'est Keycloak qui va sécuriser. Donc, il faut dire, j'ai déjà créé un Realm qui s'appelle Wallet Realm. Keycloak, la ressource que vous voulez sécuriser, c'est le client ID. Donc, votre client, il s'appelle Wallet Client. Donc, vous mettez ce que vous avez fait tout à l'heure. Ensuite, après, vous avez Keycloak plutôt Bearer Only. Alors, en fait, il faut juste savoir qu'avec Keycloak, vous avez trois types de clients. Vous avez ce qu'on appelle Public Client. Alors, Public Client, ça veut dire, ça c'est pour les front-end, généralement. Alors, pourquoi Public Client? Parce que généralement, pour les front-end, une fois qu'on veut accéder à l'application, il y a une redirection qui se fait vers Keycloak. C'est un système de redirection. Mais par contre, si vous voulez sécuriser des API RESTful ou bien GraphQL, donc on va utiliser ce qu'on appelle le mode Bearer Only. Bearer Only, ça veut dire quoi? Pour accéder à cet API RESTful, il faut envoyer le token, le JWT token, le Access Token. Donc, c'est-à-dire, il n'y a pas de redirection. C'est-à-dire, si vous voulez accéder à l'API, si vous avez le token, il va le vérifier si ça passe. Sinon, il vous dit 401, c'est-à-dire vous n'êtes pas autorisé. Alors, ici, donc, c'est Bearer Only. Le troisième, c'est Client Secret, ou voilà, Client Secret, c'est-à-dire vous pouvez vous identifier via Client ID, Client Secret. Bon, ici, donc, on est en mode Bearer Only, donc égal à true. Et là, vous spécifiez Keycloak Hot Server URL, l'URL de Keycloak. Il faut indiquer où se trouve Keycloak, ça, c'est important. Parce qu'au démarrage, et le Keycloak adapter, il envoie une requête vers Keycloak, vers le fichier notamment, si vous vous rappelez, .willNown. Il récupère les informations sur public client, public key, etc., des informations. Alors, tout ça, c'est important. Et en même temps, si le serveur pour contacter Keycloak, qu'il a besoin, si on veut faire, par exemple, une requête de type backend channel, sur le backend channel, donc, et là, cette information. Et après ici, donc, je ne vais pas utiliser SSL. Alors bien sûr, en production, il ne faut pas faire ça. Donc je vais utiliser Keycloak SSL Required None. Donc sinon je désactive None. Alors ça, je ne l'ai pas dit tout à l'heure. Par défaut, il ne fait pas. Mais si vous voulez vraiment, si j'ai remarqué que parce que j'ai fait la même chose avec Docker, tout dépend des versions que vous installez. Alors par défaut, pour désactiver SSL, il faut aller vers le en fait Realm Setting. Et dans Security Defense, ou je ne sais pas quoi, ici, vous avez HTTP. Non, ce n'est pas ça. Alors, Content, ce n'est pas ici. Ce n'est pas ici. Ce n'est pas ici. Ce n'est pas ici. Alors, ce n'est pas ici. Alors, c'est dans Général. Voilà, ici. Require SSL. Vous mettez None. Alors, si vous utilisez une version, parce que j'ai remarqué la version que j'ai installée avec Docker, par défaut, donc, c'est-à-dire, si vous voulez, en fait, par défaut, il utilise donc le SSL. Donc, il va falloir pour le désactiver, il faut faire ça.
Ça, c'est juste à titre d'indication. Alors ici, donc, même si vous ne le mettez pas, ça marche. Alors ici, donc, je le laisse. Est-ce que vous m'entendez toujours? Parce que j'ai mes petits écouteurs viennent d'expirer. Mon token a expiré. Je vais passer en mode. S'il vous plaît, est-ce que vous m'entendez? Alors, dites-moi, est-ce que vous m'entendez? Parce que je viens de changer. Parfait. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Vous m'entendez mieux que tout à l'heure, ou la même chose au moins? Parce qu'en tout cas, en principe, oui. Parfait. Très bien. Alors, donc, vous m'entendez bien, donc mieux. Ah, c'est mieux. Donc, c'est mieux. Alors, donc, j'aurais même pas dû mettre ces Bluetooth. Alors, donc, voilà. Ici, donc, une fois que vous faites ça, maintenant, qu'est-ce qui reste? Il reste juste à sécuriser. Donc, vous créez un dossier. Par exemple, dans le package de l'application, je vais créer un package qui s'appelle SimuNow. En fait, c'est parfait. Donc, on va mettre un package plutôt security. Alors, ici, donc, on va créer deux classes de configuration. Ben, une classe de configuration que je vais appeler KeyClock. KeyClock Resolver. Bon. Si vous voulez garder les mêmes noms, mais il est où, c'est sans aussi ça. Alors, donc, KeyClock Adapter Config et KeyClock Security Config. Bon, vous pouvez les appeler comme vous voulez. Alors, KeyClock Adapter Config. Alors, cette classe-là, vous utilisez donc l'annotation Configuration, c'est une classe de configuration. Et après, on va juste créer un bin qui s'appelle KeyClock. Voilà. KeyClock Spring Boot Config Return New KeyClock Config Resolver. Alors en fait, ce bin-là, c'est une façon de dire à KeyClock, ben, la configuration de KeyClock, il se trouve dans le fichier Application Properties. Automatiquement, il va savoir que la config, il est là. Parce que il existe une autre façon de créer ce qu'on appelle un fichier qui s'appelle keycloak.json, dans lequel on peut mettre ces propriétés-là. Et d'ailleurs, que vous pouvez retrouver dans l'interface de keycloak. Mais ici, donc, on va utiliser cette configuration comme ça. Bon, ça, c'est la première. La deuxième, c'est la partie que vous connaissez, c'est Spring Security. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on veut sécuriser? Alors, ici, donc, je vais créer une classe que je vais appeler keycloak Security Config, où je l'appelle tout simplement Security Config. Alors, pour les gens qui ont travaillé avec Spring Security pour faire la sécurité, il faut hériter d'une classe qui s'appelle Spring Security Web Security Adapter. S'il te plaît. Voilà. Alors ici donc on va hériter d'une classe qui s'appelle KeyClock Web Security Configure Adapter. Alors, extends KeyClock. KeyClock Web Security Adapter, c'est celui-là. Configure Adapter. Alors, ça va vous obliger de redéfinir une méthode qui s'appelle Session Authentication Strategy. Alors, cette classe-là va utiliser la notation KeyClock Configuration. Également, on va utiliser
global security, enable global method security. Parce qu'on va spécifier, on va protéger nos méthodes via la notation pre-authorize. Donc on va utiliser pre-post enabled égal à tout. Pre-post enabled égal à tout. Donc ça, c'est ce qu'on va faire. C'est ce qu'on va faire ici. Alors maintenant, ici, on va créer l'objet. Ici, on va retourner un objet qui s'appelle JSTEP, Session Authentication Strategy, pour laquelle on va lui attribuer un objet de type New Strategy Implementation. Alors, je commence à me fatiguer parce que là, c'est New Session Register Implementation. Alors, New Session Register Implementation. Donc, cet objet-là, c'est pas le bon. C'est pour cela, d'ailleurs, il m'a donc New Session Strategy. Alors, c'est Register Session Authentication Strategy. Voilà, c'est ça. Donc, ça, c'est. Oui. Donc, on va, pour quelle stratégie qu'on va utiliser? On va utiliser donc cette implémentation par défaut, Session Register Strategy. Donc, ça, c'est ce qui concerne Keycloak. Okay? Keycloak Adapter. Si vous remarquez une chose, Keycloak Web Security Configure Adapter, pour les gens qui ont fait Spring Security, vous allez voir que c'est une classe qui hérite de Web Security Configure Adapter. Bon, c'est-à-dire, c'est Spring Security. C'est juste un adaptateur de Spring Security. Donc, ce qui fait que nous, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Pour sécuriser, on a besoin de redéfinir les deux méthodes. Config. Alors, la méthode config avec Authentication Manager Builder et la méthode config avec HTTP Security. Alors, ici, dans la méthode config Authentication Manager Builder, je vous rappelle, c'est pour indiquer à Keycloak où est-ce qu'il va chercher les utilisateurs et les rôles. Alors, c'est donc Spring Security, on va lui dire, on va déléguer ça à Keycloak. Donc, ça veut dire, ici, je vais utiliser auth Authentication Provider. Et là, je vais utiliser une méthode qui s'appelle Keycloak Authentication Provider que nous avons hérité de cette classe. Keycloak Web Security Adapter. Donc, ça y est. Donc, c'est comme si vous dites Spring Security. Ça y est, je délègue l'authentification à Keycloak. Et après, c'est l'adaptateur qui fait son travail. Alors, maintenant, au niveau de la sécurité ici, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va faire super.config, HTTP, on va la laisser. Et après, on va protéger les ressources. Alors, si vous voulez protéger toutes les ressources, vous dites authorize request, point in request. Alors, in request, par exemple, authenticated. Donc, ça, dit Spring Security, ça veut dire que toutes les requêtes nécessitent une authentification. Mais on va utiliser une authentification basée sur un JWT, ben c'est une authentification stateless. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut utiliser http.csrf, si vous rappelez, cross-site request forgery disable. Bon, ça, il faut le désactiver. Okay. Et après, c'est tout. Mais, c'est-à-dire, vous dites, toutes les requêtes nécessitent une authentification. Mais maintenant, même si vous voulez, d'ailleurs, si vous redémarrez, vous allez remarquer, même si vous voulez accéder, par exemple, à la base de données H2, il vous laisse pas. Et après, donc, si vous voulez autoriser, par exemple, l'accès à quelques ressources, donc, on va l'ajouter ici. Donc, si vous faites, par exemple, maintenant, localhost 8084/H2Console, vous voyez, donc, c'est pas autorisé 401. Moi, H2Console, je veux l'autoriser. Ben, il va falloir l'ajouter ici, donc vous lui dites, ici, vous lui dites HTTP, point authorize request, point int matchers,
tout ce qui est slash h2 console slash étoile, deux étoiles, permit all, c'est-à-dire j'autorise. Et après, si vous autorisez, bon ça n'a rien à voir avec en fait, Keycloak Security, mais c'est plutôt des affaires de Spring Security. Maintenant, je suis juste en train de donner l'autorisation pour H2 Console, parce que j'ai besoin de le voir. Mais regardez, quand vous accédez là, c'est parce que le H2, il utilise l'iframe. Et par défaut, Spring Security, il désactive, il interdit c'est-à-dire l'iframe, il ne l'autorise pas. Donc, ça veut dire, on va encore lui dire juste ici, tiens, pour H2, donc je vais utiliser http.headers.frameOption. Disable. Je désactive la protection frameOptions. Pourquoi? Parce que j'ai une application en mode dev qui est H2 Console, dont j'ai besoin et j'ai besoin quand même de l'autoriser à accéder. Alors si je fais maintenant actualiser, bon là donc avec Spring Security j'arrive maintenant Keycloak. Bon pour ma base de données donc il n'y a pas de problème, je peux voir mes données etc. Mais par contre si je demande ça, que c'est déposé, vous voyez je ne peux pas accéder 401. Donc je n'ai pas l'autorisation. Si je reviens maintenant à mon client ici, le client que j'ai ici HTTP que j'ai créé tout à l'heure. Alors ici, donc, si je fais ça, j'envoie cette requête-là, bien sûr, vous allez avoir 401. Je ne suis pas autorisé. Alors maintenant, pour que je puisse accéder, qu'est-ce que je dois faire? Il faut s'authentifier. Et pour s'authentifier, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut envoyer une requête. Alors maintenant, après, on va voir si, en fait, c'est la partie front-end qui fait ce travail. Mais c'est toujours bien de voir comment le faire. Donc, il faut envoyer. Donc, je mets le liaise. Comme ça, j'envoie une autre requête. Donc, il faut envoyer une requête post. Vers quoi? Vers ce que nous avons fait tout à l'heure sur ça. Copier. Je fais un post vers pour demander le token. Et après, ici, accept. Bon, c'est juste pour changer par rapport à Postman. Donc, ici, c'est application X3W form URL encoded. Et dans body, j'envoie les données. Alors, quelles sont les données? Donc, vous avez grant type, deux points. Alors, c'est password and username égale user 1 and password égale 1, 2, 3, 4 and client ID égale wallet client. Alors, ici, c'est une requête pour s'authentifier. Donc, normalement, j'envoie cette requête-là. Je devrais recevoir mon token. Alors ici, il y a une erreur. Donc, il me dit grant type, c'est mal écrit. Alors, grant type. Grant. Est-ce que j'ai grant type, c'est ça? Alors, c'est égal, c'est pas de point. Pardon. Alors, ça, c'est pas du JSON, c'est grant type, c'est password, égal. Voilà. C'est pas deux points, c'est égal. Donc, j'envoie la requête. Regardez ce que je reçois mon token, access token, et le refresh token. Je vais prendre le access token, ici, fin, jusque-là. Et maintenant, je veux maintenant ma requête avec get. Je veux consulter. Donc, ce qu'il faut envoyer, là, il faut envoyer un header qui s'appelle authorization, deux points, qui commence par bearer, espace, parce que c'est comme ça le bearer token, il faut y créer bearer, espace, contrôle V. Donc, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que je suis en train d'envoyer ma requête vers le REST API.
Ben, je lui dis, tiens, voilà notre logiciel WT. Parce que je viens d'être authentifié. Alors, j'envoie la requête. Alors, vous voyez ici, ça marchait, pas de souci. Donc, il a bien identifié l'opération. Alors, maintenant, j'ai dit que toutes les requêtes nécessitent une authentification, mais je n'ai pas utilisé la notion de rôle. Alors, c'est pour cela, dans le contrôleur, ici, dans le contrôleur, je vais le protéger par quoi? Alors, je vais dire, par exemple, ici, tout ce qui est get currency, je veux que ça soit ici pre-authorize. Donc, ça, c'est Spring Security. Has authority user. Ça veut dire quoi? Je suis en train de lui dire, pour accéder à cette méthode-là, il faut que l'utilisateur soit authentifié avec le rôle user. Et pour accéder à cette méthode, post, pour ajouter un transfert. Alors, donc, je vais utiliser pre-authorize. Donc, ici, has authority admin. Alors, ici, donc, là, je viens d'introduire la notion de rôle dans mon application. C'est-à-dire, vous protégez vos méthodes en fonction des rôles. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle nous avons utilisé ici la notation que vous voyez là, c'est la notation enable global method security. C'est-à-dire, je veux protéger mes méthodes comme ça. Alors maintenant, si je fais ça, et si je reviens à ma requête, alors ici donc, si je fais un get avec ce token-là, parce que le token, il est toujours, je pense, valide. Donc là, il n'y a pas de problème. Alors ça, c'est la première requête. Vous voyez donc, ça, j'accède. Mais si je fais un post, je fais fin, contrôle C. Je fais un post pour, par exemple, faire le transfert. Ben, je lui dis le transfert. D'ailleurs, si vous faites rien, il vous dit que vos 401, c'est pas autorisé. Ici, c'est la deuxième. 403, pas autorisé. Ici, si je mets, je lui ajoute le read authorization, comme ça, j'envoie la requête. Ben, il me dit 400. Alors, ici, non, ça c'est quelque chose qui cloche dans la requête. Ça c'est une. Alors, ça c'est un. Ça c'est deux. Alors, je reprends. 400. Donc, ça c'est bad request. Alors, ça c'est mal. J'ai mal copié. X. Donc ici, voilà, post, je fais application JSON. Ah oui, il fallait juste mettre un espace. Voilà. Parce qu'entre les headers et le corps, il faut mettre un espace. Ici. Une ligne d'espace. Alors si je fais ça, ben, qu'est-ce qu'il me dit? Regardez, il me dit 403. C'était, je n'ai pas autorisé. Pourquoi? Vous voyez, forbidden. Je ne suis pas autorisé parce que si, je suis authentifié, mais je ne suis pas autorisé. Pourquoi? Parce que si vous rappelez user 1, user 1, il a le rôle user. Il n'a pas le rôle admin. Ça veut dire que ici, donc, dans mon endpoint que j'ai ici, has authority. C'est donc là, je ne peux pas y accéder que si je suis admin. Alors maintenant, je vais m'authentifier avec l'utilisateur Mohamed, qui a le rôle admin. Donc ici, voilà, post. L'authentification. Alors, ici, username. Mohamed. Mohamed. Alors, Mohamed, si vous vous rappelez, je lui ai affecté les deux rôles, user et admin. Vous voyez donc, 200. J'ai le token, le access token. Alors, je vais revenir maintenant pour faire un post, ici. Alors, post, et je vais prendre ce token-là, je le supprime. Je mets le nouveau token. Normalement, ce token-là, si vous l'affichez, vous allez trouver qu'il a le rôle admin. Alors, je fais cette opération. Et vous voyez bien, ça passe, pas de problème. Donc, c'est-à-dire, maintenant, bon, quasiment, je suis pas encore arrivé à la partie front-end. Mais,
Si vous faites ces manipulations, vous êtes obligé de comprendre un peu si bien HTTP, c'est quoi le ID token, le access token. Bon, pour le moment, on n'a pas utilisé le refresh token, mais vous allez comprendre vraiment maintenant. On a protégé notre REST API. C'est-à-dire le seul moyen pour y accéder, c'est de lui envoyer un JWT qui est valide. Où est-ce qu'on va récupérer ce JWT? Débrouillez-vous, allez demander à Keyclock, donne-moi le token. Après, tout à l'heure, je vous ai montré qu'on peut lui demander ça soit avec GrantType, soit avec Password, ou bien avec Client plutôt que Client Credentials, ou bien Refresh Token. Alors, ça, c'est pour l'autre service. Alors, le deuxième service, ben, c'est une application qui est basée sur GraphQL. Bon, là, c'est la même chose qu'on va faire. Donc cette application, c'est intéressant. Vous trouverez la vidéo. Donc, c'est une application qui est basée sur GraphQL au lieu de REST API. Donc, je vais la démarrer. Alors, l'application, elle utilise le port. Voilà, elle utilise le port 8082. Il n'est pas la même chose, il n'est pas sécurisé. Bah, il y a une base de données que vous pouvez voir ici. C'est 8082. Le console. La base de données, c'est celle-là. En fait, ici, on va gérer, en fait, vous avez wallet, on gère des wallets. Chaque wallet, vous avez la balance, created at, user ID. Alors, je suppose par défaut, user ID, c'est user 1. Après, on va voir au niveau de l'authentification, qu'est-ce qu'on va faire pour récupérer ça, ces informations. Alors, ici, donc, currency, les devises, même chose, c'est donc la liste des devises avec le détail. J'ai voilà, les transactions. On va gérer les transactions. Pour les transactions, il n'y a rien. On n'a pas rien créé. Et après, vous avez les country, les pays. Bon, là, il y a tous les pays, donc chaque pays, qui sait quoi sa devise, etc. Et après, vous avez les continents. Donc, les continents. Ça, c'est aussi pour l'API RS. Alors, maintenant, cette API RS-là, pour l'utiliser, c'est en localhost 8082. Alors, je vais utiliser, c'est GraphQL. Graphi avec un I, QL. Alors, en fait, il faut juste noter que Spring Boot, à partir de la version 2.7, il a intégré un support GraphQL. Donc, si vous voulez, pour les gens qui veulent savoir comment utiliser GraphQL pour... Donc, c'est API GraphQL en tout cas. Donc, il faut juste rappeler que dans... Et d'ailleurs, par défaut, il vous affiche cette interface pour tester. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? On peut faire des queries. Ben, je peux envoyer une requête query pour demander currencies, par exemple. Qu'est-ce que je veux dans Currencies? Donc, c'est ça, d'ailleurs, l'intérêt de GraphQL, c'est que le client, quand il envoie la requête, il peut préciser les attributs qu'il veut. Alors, c'est Currency, donc je veux juste le code et je veux, par exemple, name. C'est tout. On voit la requête, donc je vois ici, donc, Currency, donc je vois. Après, si je lui dis Currency, je veux également le prix, sell price, par exemple, là, il m'envoie avec ce prix. Bon, ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire avec REST parce que ici, avec GraphQL, on peut préciser quels sont les attributs qu'on veut. Alors, également, on peut demander les countries. Alors, pour chaque country, vous pouvez spécifier le nom country name. Oui. Voilà. Et on peut spécifier également, ici, pour chaque, par exemple, continent, par exemple, les continents, je veux le nom du continent, par exemple, continent name. Et si vous voulez, pour chaque continent, je veux également ces countries.
Mi country, c'est un objet. Donc, qu'est-ce que je veux dans country? Je veux country name. Mais du coup, donc, je me retrouve avec chaque continent. Voilà, c'est country. Là, je retrouve les choses comme je veux. En tout cas, c'est l'objectif suprême de vous montrer comment travailler en fait GraphQL. Mais il y a une vidéo que je viens de partager, je vois avant-hier, qui montre comment créer cette application. Et ça serait bien que vous le sachiez. Alors ici, donc, vous avez des currencies. Donc, ce qui nous intéresse, c'est la partie wallet. Alors, dans wallet, donc, nous avons ici, vous avez created at, plutôt balance via le wallet. Et après, je veux également, pour chaque wallet, je veux currency. Quelle currency? C'est par exemple le code currency, comme ça. Donc, je vois chaque wallet, je vois la balance, je vois ça, c'est pour quelle currency. Donc, ça, c'est user wallet. Alors, ça, c'est pour les queries. Et après, on peut ajouter un onglet ici. Et après, il y a ce qu'on appelle les mutations. C'est-à-dire, il y a deux opérations principales pour, en fait, query tout ce qui est select, c'est-à-dire tout ce qui est consulté. Mutation, tout ce qui est post, put, delete. Donc, mutation, c'est simple ça. Alors, c'est qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, je peux faire, par exemple, add wallet. Je veux ajouter un wallet, donc il va falloir lui préciser deux informations, currency code, donc est égal currency code, par exemple, je vais ajouter une wallet avec currency, par exemple, mat, et après avec initial balance, par exemple, ici, donc c'est 9000. Il va me retourner le wallet, et qu'est-ce que je veux dans le wallet? Je veux la balance, par exemple, et je veux le ID, par exemple. Là, vous voyez, donc j'ai créé une wallet. Donc c'est une requête. Parce qu'en fait, GraphQL, toutes les requêtes, c'est post. Post, post. Mais après, si c'est mutation, donc il sait qu'il va faire des mises à jour. Si c'est query, c'est des select. Donc j'ai cette opération-là et j'ai également l'opération de wallet transfert. Alors wallet transfert. Donc si vous voulez, de préférence pour tester, il vaudrait mieux utiliser. Donc, je vais utiliser donc source wallet ID. Je peux paramétrer ma mutation avec des paramètres. Par exemple, ici source wallet, c'est une variable de type string. J'ai une variable destination wallet de type string. Le troisième paramètre ici que je vais avoir, donc ici, paramétrer source wallet et après le montant. Alors, j'ai une variable t, donc il faut utiliser des dollars de type float. Comme ça, ici, donc, je vais faire un wallet transfert source ID. Deux points, c'est dollars, c'est SW. Et après, le source destination. Alors, je vais faire des rentrées comme ça. Alors, destination, ça va être ces dollars, destination wallet. Après, le amount. C'est pas ici, c'est ici. C'est le montant. C'est dollars. Alors ici, donc, c'est transfert, mais après, si je transfère, donc, il va me retourner quoi? Il va me retourner, donc, le transfert. Qu'est-ce qu'il va retourner? Le ID et la balance, par exemple, des wallets. Mais pour envoyer cette requête-là, il faut envoyer les variables. Alors, quelles sont les variables ici? Donc, SW. Alors, je dois mettre un wallet qui existe. Donc, je vais faire un user wallet. Bon, j'ai des wallets ici, donc, je vais afficher le ID. Sinon, l'opération ne passe pas. Donc, j'ai, par exemple, je vais faire un transfert de ce wallet-là, qui est en euros. Source wallet, c'est ça. Virgule, destination wallet. DW, donc, ça va être ce wallet que j'ai ici, par exemple. Mutation.
et après le montant. Alors, le montant, là, je mets ça. Alors, normalement, si je fais ça, vous voyez ici 401. Je ne suis pas autorisé. Je n'ai pas encore protégé ça. Pourquoi? Parce que, en fait, moi, j'ai envoyé la requête. J'ai envoyé la requête vers le. Alors, j'ai envoyé la requête vers ce service-là, Wallet Service. Mais pour faire un transfert, Wallet Service, on envoie la requête vers eBank. Or, eBank, il est protégé. Donc, c'est-à-dire, il attend un JWT. Donc, il m'a refusé cette opération. Donc, ce qu'il fait, ici, donc, si vous voulez, maintenant, ce que je vais faire, parce que là, je serai par le temps, je vais passer à la partie Angular, comme ça, on peut voir déjà ce qu'on veut faire. Et après, je complète la sécurité ici. Alors, pour la partie Angular, comme ça, on peut voir notre front-end, qu'est-ce qu'on fait. Alors, déjà, bon, c'est parce que là, bon, je suis obligé de faire npm install. Installer les dépendances. Bon, je vous le disais, donc si vous avez des cafés, des enfants et tout ce qui est. Faut patienter, c'est vraiment très, très, très intéressant. Faut aller jusqu'au bout parce que après ce qu'il nous reste encore 20 minutes pour terminer. Alors, vous êtes toujours en vie, Yacine? Oui, elle est en vie. Zakaria, Joël, Saïd, Lamia, Lamine. Alors, n'oubliez pas de, si jamais vous avez si jamais vous avez en fait un petit empêchement, vous voulez quitter, n'oubliez pas si vous avez des questions, vous les posez sur le chat. J'aurai l'occasion de répondre. Alors voilà, les dépendances sont installées, donc je vais utiliser ng-cert pour démarrer le serveur. Alors, l'application front-end est en train de démarrer. Alors bien sûr, le premier démarrage de Angular, ça prend un peu de temps parce que le build il est en train de faire un build. Mais après, c'est plus rapide, c'est très rapide, bien sûr. Voilà. Alors c'est démarré. Donc en fait, l'application qu'on va sécuriser, notre front-end, qu'on veut sécuriser, c'est localhost 4200. Voilà. Alors ça, c'est l'application. Bon, vous voyez donc notre application Angular pour le moment. On peut faire My Wallets. Bon, je vois donc les wallets, etc., qui sont là. Bon, c'est une requête, en fait, plutôt GraphQL. Je peux faire ici pour le moment, est-ce que je peux ajouter wallet? Oui, parce que je n'ai pas encore protégé le. Alors, bonjour. Alors, j'ai eu une coupure. On ne voit rien. Alors, je repartage. Alors, confirmez-moi si vous me recevez à nouveau parce que je viens de perdre.
Le live est coupé. Est-ce que vous me recevez? Le live vient d'être coupé. Est-ce que vous me recevez? Donc, super maintenant. Bah, parfait. Alors, donc, c'est parfait. Alors, ici, je peux ajouter donc des wallets. Vous voyez, donc là, ça passe, c'est pas de problème. Et pour chaque wallet, j'ai des transactions. Alors, pour le moment, pour faire une transaction, ça ne va pas passer. C'est-à-dire, si je demande de faire une transaction de celui-là vers celui-là, je fais des transactions, je veux faire une roulette de cette roulette vers celle-là. Ben, il me dit, voilà, ici, donc, il y a un problème 401, parce que j'ai mal affiché le message. Parce qu'en fait, on n'a pas. C'est-à-dire, le backend attend un token. Et après, il y a des endpoints qui ne sont pas sécurisés. Vous avez ici countries. Alors, ici, donc, vous avez l'Asie, l'Europe, etc. Pour chaque country que je clique, je vois la liste des pays. Il y a l'Europe, tout ça. Bon, ça, c'est des. Je suppose que cette partie-là, tout le monde peut voir ça, il n'y a pas de problème. Currencies également, donc on peut voir la liste de currencies. Et Bank Deposits, donc ça, normalement, ça ne devrait pas marcher parce que c'est sécurisé. Oui, donc ici, bon, il y a un message d'erreur que j'ai mal affiché. Alors, bref, donc ce que je vais faire, c'est que maintenant, comment je vais sécuriser mon application front-end? Alors, pour sécuriser l'application front-end, c'est-à-dire, on va maintenant s'authentifier. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire des choses très simples. Alors, les étapes, ils sont là, au niveau du slide. Alors, ça, c'est les détails. Ça, sécuriser. Alors, c'est ça. Secure GraphQL. Alors, en tout cas, ici, alors nous aurons besoin de quoi? En fait, avec Angular, vous aurez besoin d'installer les dépendances. Donc, bon, ça, c'est déjà fait, mais on a besoin d'installer, donc, c'est CakeLock.js et CakeLock Angular. Alors, ça, c'est ce qu'on va utiliser, mais dans l'application, j'utilise, donc, ça, c'est pour GraphQL, c'est déjà intégré. Apollo Angular, donc ça c'est pour les requêtes GraphQL. Et pour bien sûr le design, c'est Bootstrap ou Strap. Et vous connaissez ce que c'est. Donc ça veut dire que j'ai juste besoin d'installer ces deux dépendances pour sécuriser l'application Angular. Donc j'ai besoin d'installer CakeLock.js et CakeLock Angular. C'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est de, une fois qu'il est installé, bon, il y a un module qui est Clock Angular qui est installé. Mais tout simplement, je dois accéder au module principal, App Module. Donc, App Module. En fait, App Module, donc c'est Root Module, c'est le module principal, dans lequel je dois d'abord importer le module qui s'appelle KeyClock Module. On va le retrouver facilement. Alors, Angular module. Donc d'abord, il faut importer ça. Et deuxièmement, ici, on va créer une fonction, une factory. J'utilise export function. Je vais appeler casser cakeclock factory, casser factory. C'est une fonction qui va démarrer cakeclock au démarrage. Factory. C'est une fonction qui va retourner une promesse dans laquelle je vais tout simplement injecter. Alors, ce service-là, Keyclock, je vais tout simplement injecter Keyclock Security. Je vais l'appeler KC. Alors, Keyclock KC Security. Le type, c'est plutôt Keyclock Service. Casser service de type KeyClock service. Alors en fait,
Donc l'essentiel, il est là. C'est-à-dire la sécurité de Angular, c'est Keycloak Service qui va vous permettre de faire ça. Alors ici, donc j'injecte Keycloak Service. Qu'est-ce que je vais faire ici? Ben, tout simplement, je vais utiliser Keycloak Service, KC Service, point, la méthode init. Donc on va initialiser Keycloak avec les options suivantes. Quelles sont les options? D'abord, config. Avec config, on va utiliser quelques informations. D'abord, il faut indiquer c'est quoi le RIAM, comme tout à l'heure. Alors, le RIAM, c'est Wallet RIAM. Deuxième, c'est Client ID. Il faut lui dire le Client ID, c'est Wallet Client. Et le troisième, c'est l'URL. Où se trouve Keycloak? Et de point, slash localhost 8080. Donc ça, c'est la première des choses. Vous allez voir, en principe, c'est suffisant pour déclencher quelque chose. Donc ça, c'est 80. Et après, on va ajouter donc init options. Ici, après config, on va utiliser init options. Et dans init options, on va spécifier. Alors, si vous voulez faire l'authentification, on load, on load. Point. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre ici en load? Je vais utiliser. Donc, si vous dites login required, ça veut dire que vous dites à votre front-end, dès que je démarre Angular, l'authentification est obligatoire. Alors, c'est-à-dire, je n'accède pas à une interface. Donc, je commence d'abord par m'authentifier avant que l'interface s'affiche. Alors, si vous mettez SSO, check SSO, single sign-on, c'est que je lui dis à Angular, tiens, tu accèdes à l'application, mais après, c'est à moi de protéger les routes. Je vais dire, cette partie-là, ça nécessite une authentification, c'est là, non, etc. Donc, c'est donc, bon, si vous mettez login required, bon, si vous voulez faire ça, vous allez remarquer, donc, si vous faites ça, alors, après, je vais juste ajouter quelque chose, je ne dois pas oublier. Donc, on load, etc. Et après, check login frame et gala true. Donc, je peux l'ajouter. Alors, check login frame. Alors, si vous faites ça, maintenant, ça, c'est une fonction, c'est une factory. Je vais la démarrer en tant que. Je vais démarrer un service, un provider, ici. J'ouvre les accolades. C'est donc, je vais spécifier provide. Je vais utiliser donc app initializer. C'est-à-dire un service et un provider qui s'appelle app initializer, qui permet d'initialiser l'application. Qui dépend de quoi? Il dépend de service Keycloak Service. Donc, c'est-à-dire ce Keycloak Service que nous avons utilisé ici. Et après, l'autre, c'est use factory. C'est quoi la factory qu'on va utiliser? C'est ça, c'est KC factory. C'est celle que j'ai créée ici. C'est cette fonction qui s'appelle KC factory. Et enfin, quand c'est un multi-provider, je vais utiliser multi-true. Alors, ici, donc, vous voyez, donc ça, c'est Angular. Alors, si je fais ça, regardez si je démarre l'application. Hop. Si j'accède à mon application ici, je fais localhost 4200. Regardez, je suis directement redirigé vers Keycloak. Alors, il me demande de m'authentifier. Je vois déjà que je suis sur Wallet RIAM, c'est-à-dire je suis dans le RIAM que je veux. Et après, je peux m'authentifier avec user 1, ici, 1, 2, 3, 4. Et si je fais ça, et bien, donc, je suis redirigé vers l'application. Et là, j'accède à l'application. Et là, par contre, du moment que je suis authentifié, donc je peux à chaque fois, d'ailleurs, je vous recommande de regarder un peu c'est-à-dire au moment de l'authentification, vous regardez les URL pour voir qu'est-ce qu'il fait. Parce qu'il envoie une requête en back channel, il récupère le JWT et tout. L'essentiel maintenant, à chaque fois que j'envoie ma requête, par exemple, je fais par exemple
Je sais pas, je vais vers My Wallet. Regardez bien, j'envoie une requête vers GraphQL. GraphQL, ça c'est option. Option. Alors, je fais un post. Non, pourquoi je fais post, post. Alors, ouais, c'est post. Parce qu'on fait toutes les requêtes GraphQL, c'est des posts. Regardez, je récupère les réponses. Ce n'est pas un problème. Mais ce qui m'intéresse, c'est dans les headers. Alors, si vous regardez dans les headers, je vois ici authorization. Donc, à chaque fois que vous n'avez pas besoin de créer un HTTP interceptor. Donc, vous avez ici authorization, il envoie bearer, il envoie le token. C'est-à-dire, votre backend, il reçoit le token, donc votre problème est réglé. Alors, sauf que ici, donc, ce qu'on veut faire, nous, c'est on veut pas que ce soit login, on veut pas faire. Donc, on ne veut pas faire ici login require, mais on va utiliser check SSO. Alors, si vous faites check SSO, ça veut dire que donc là, j'accède à l'application. Bon, il n'y a pas d'authentification. Mais par contre, je dois protéger les routes. Alors, maintenant, si vous voulez protéger les routes, ben, vous aurez besoin de créer un guard. Vous savez pourquoi protéger les routes. Donc, alors, en fait, le guard que vous allez créer, donc juste, je vous indique la documentation. Là, vous pouvez la chercher. Ici, si vous cherchez Angular Keyclock Angular, Angular Keyclock Angular, Keyclock Angular. Bah, vous allez trouver assez de documentation simple, etc. Donc, vous voyez donc ce que je viens de faire, elle est là. Donc, c'est-à-dire le factory. Voilà ce que j'ai déclaré, donc, ici, app initializer. Et après, vous trouverez ici, donc, en fait, le guard qui vous permet de protéger vos routes. Alors, c'est pas compliqué de créer, mais on n'a pas assez de temps pour écrire tout ce code-là. Donc, je vais faire copier-coller. Alors pour cela, donc je vais juste dans l'application Angular, je vais créer un dossier. Alors l'application Angular. Merci. Alors ici, donc je vais créer un dossier folder que je vais appeler Words, dans lequel je vais créer un fichier TypeScript. Je vais l'appeler Cake Security. Security. Parenthèse. Alors, ici, donc, je fais CTRL V. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? Donc, en fait, c'est un service. Alors, ici, donc, ici, router. Alors, je pense que ça, c'est pas il y a quelque chose qui. Là, ici, le constrict. Je me rappelle bien, j'ai dû supprimer ça. Alors, donc, les importations sont faites correctement. Donc, ça, c'est un guard qui hérite d'un guard qui est fourni par Cakelock. Le constructeur, il me dit que le paramètre property must override. Je vais ajouter override. Voilà. Pour ça, dans cette version-là. Donc, ici, le constructeur, il va injecter le routeur. Cakelock service. Il fait super. Et après, ici, donc, on va dire quelles sont les routes is allowed. C'est-à-dire, quand est-ce que la route est autorisée. Donc ici, donc, on injecte l'activité de route, snapshot, donc c'est la route qui est activée. S'il n'est pas autorisé, c'est-à-dire si if not this authenticated, qu'est-ce qu'on fait? On va faire login. Donc c'est-à-dire on va utiliser this.cakeclock.login. Vous voyez donc cakeclock, c'est ça, c'est cakeclock service. Je fais login et quand je fais login, vous savez qu'en fait login, il faut lui envoyer le callback, c'est-à-dire redirect URL.
Bon, ici, donc, j'ai. Vous pouvez écrire directement HTTP localhost de 4200. Sinon, je vais utiliser, je vais supprimer ça et je vais garder. Je vais garder tout simplement Window Location Origin. C'est-à-dire, c'est l'adresse de l'application. C'est-à-dire HTTP localhost 4200. Alors, ici, donc, maintenant, les rôles. Ici, où est-ce qu'on va récupérer le rôle? Donc, moi, dans mon application, j'ai approté mon module. J'ai quelques routes. Alors maintenant, cette route-là, Currency Component, je ne vais pas la protéger. Continent Component, je ne vais pas la protéger. Cette route, Wallet Component, je vais la protéger. Donc, je vais ajouter ici Can Activate. Je vais l'activer avec mon guard qui s'appelle. Alors, ce guard-là s'appelle Hot Guard. Donc, c'est Hot Guard. N'importe. Vous voyez donc ça. Et après, je vais utiliser en fait, des data dans les routes. Je vais mettre un objet dans lequel je vais utiliser un attribut qui s'appelle roles. Directement ici, c'est un tableau dans lequel je mets les rôles que je veux. Par exemple, pour accéder à cette route-là, roulette, je dois avoir un rôle qui est user. Vous voyez? Par exemple, si je veux ajouter, donc ça c'est pour le rôle user, il faut être user et admin, par exemple. Bon, user. Alors, pour currency deposit, quand je fais le transfert, transactions par exemple, voilà. Alors, currency deposit, donc là, il n'y a pas de problème. Ça, c'est wallet transactions, et ça, c'est wallet, la même chose ici. Alors, pour wallet par exemple, je fais user, alors que par exemple, pour wallet transactions, je dois être user. Et après l'ajout, donc on peut ajouter admin. Donc vous pouvez ajouter par exemple ici user ou bien admin, par exemple. Ça veut dire que pour accéder à cette route, il faut être soit user, soit admin. Encore, il faut être admin. Donc je peux spécifier quels sont les rôles que je dois utiliser pour accéder à la route. Et du coup, ici, donc dans la configuration, dans le guard, je complète. Alors ici, donc, le data, au lieu d'utiliser roles, parce que là, ça dépend des versions, je vais mettre entre crochets roles. C'est-à-dire, il va récupérer les rôles à partir de la route. Et après, ici, donc, c'est-à-dire, si record roles, c'est un array, un tableau, et donc, ici, que le, donc, je retourne true, c'est-à-dire, s'il n'y a pas de rôle, donc, je retourne true. Sinon, il a qu'un request rose every role. Pour chaque rôle, s'il se trouve dans les rôles de la route, ben, tout simplement, je vais retourner soit true ou false. Donc, c'est-à-dire qu'à la fin, donc c'est juste une manière de dire que ce guard-là, il va vous permettre de protéger la route en fonction des rôles. Alors, si vous le laissez comme ça, maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est que dans mon application, au départ, j'accède à l'application. Je pense que je suis authentifié. Donc, il va falloir d'abord se faire un logout. Alors, pour cela, il faudrait afficher. Bref, il faudrait afficher le. Il faudrait d'abord afficher l'utilisateur authentifié. Il y a un bouton faire un logout. Alors, tout ça ici. Alors, pour cela. Donc, toujours, je vais faire rapidement. Donc, ça, c'est le guard que j'ai créé. Il est là. Les routes, ici, donc, ils sont là, dans le slide. Bon, ça, c'est ce que j'ai fait. Alors, si vous voulez, pour faire plus simple, maintenant, ça, c'est important, parce que là, je n'ai pas trouvé ça dans la documentation. De préférence, de créer un service. Okay? Alors, ce service-là, c'est très simple. C'est un service. Alors,
je vais ajouter un service pour, que je vais appeler Security Service. Donc, par exemple, le dossier service, ici. Dans le dossier service, donc, je vais ajouter un fichier, donc TypeScript File. Je vais appeler security.service.ts, dans lequel je vais créer un service, celui-là. Alors, ce service-là, donc, on va injecter, on va importer. Alors, ici, dans ce service, qu'est-ce que mon service maintenant? Je vais déclarer le profil utilisateur qui est authentifié. Il est de quel type? KeyClock Profile. Okay. Alors ensuite, je vais injecter KeyClock Service dans mon service. Et après, le constructeur, il fait appel à la méthode init. La méthode init au démarrage, qu'est-ce qu'il fait? On va écouter les événements qui se passent dans le KeyClock Service en utilisant this.KeyClockService.KeyClockEvents, subscribe. Je vais écouter les événements. Quand je reçois, il y a un événement. Si l'événement, il est de type, je lui dis que par exemple, si KeyClock, parce que en fait, KeyClock, il rentre dans un workflow. Il va tenter de s'authentifier. Donc, ici, si vous voulez traiter les événements, alors ici, donc, je lui dis que si par exemple, l'événement, il est de type on authentication success, c'est-à-dire que l'authentification a réussi. Une fois que je suis authentifié, réussi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais lui demander de charger le profile. Alors, pour charger le profile, je vais utiliser this.kclock service, load profile, c'est une méthode qui se trouve dans kclock service, then, je récupère le profil, et ce profil, je le stocke dans la variable profile que j'ai ici. Ça. Donc, header, c'est un service. Et après, si vous voulez, je vais ajouter une méthode qui s'appelle hasRollIn. Je lui donne la liste des rôles. Et qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, tout simplement, il va récupérer les rôles 10.kclockService.getUserRoles. Il va récupérer les rôles à partir de kclockService de l'utilisateur. Et après, il va parcourir pour chaque rôle dans la liste des rôles. Si le rôle include role, c'est-à-dire si le rôle, en fait, UserRoles include role, return true. C'est une manière de dire, je lui donne les rôles, est-ce que l'utilisateur a ses rôles? Bon, c'est-à-dire cette méthode, il me retourne true ou bien false. Donc ça va me permettre de faciliter la contextualisation. Donc ça, c'est le service qu'il va falloir ajouter. D'après, donc, dans, par exemple, ici, navbar, comme vous voyez, ici dans navbar, ici, quelque part, j'affiche l'utilisateur, ici, user, ici. Alors, ici, je vais afficher l'utilisateur authentifié. Pour cela, donc, dans navbar.ts, je vais injecter public KeyClock service. Alors, ce n'est pas security service. Security service, c'est security service. La variable, je vais l'appeler security service. Voilà. Donc, j'injecte juste security service et dans la partie HTML, ben, je vais lui dire tout simplement ici qu'est-ce que je vais afficher. Je vais afficher security service point ici user profile point profile et j'accepte par exemple ici first name. Je veux afficher le nom de l'utilisateur. Mais quand est-ce que j'affiche le nom de l'utilisateur? Uniquement, je fais un test ici. Si if ce lien-là, je vais utiliser ng-if. If security service point profile. C'est-à-dire si le profil est chargé, parce que normalement si j'ai réussi l'authentification, j'ai le profil. J'affiche ça. Sinon, else, je vais afficher ici c'est ce ng template. C'est-à-dire ici else, je vais afficher login template. Et login template, qu'est-ce qu'il m'affiche? Il m'affiche un bouton. Login. Oui. Login. Login. Une fois que je clique dessus, sur ce bouton-là, ben je vais faire l'authentification. Et pour faire l'authentification, je vais juste utiliser 10.securityService.kclockService.login. Et quand je fais un login, ben il faut lui envoyer le redirect URL. Ça, c'est important. Et redirect URL, c'est quoi? C'est window.location.origin.
C'est-à-dire, je lui dis que je vais faire l'authentification. Voilà. Et comme c'est une fonction asynchrone ici, je vais utiliser wait. Donc, ça, c'est pour login. Et après, ici, donc, j'ai le bouton, ici, un menu dans lequel j'ai le bouton logout. Alors, ce menu-là, ici, donc, quand est-ce que je l'affiche? Uniquement si je suis authentifié. C'est-à-dire celui-là. Je vais encore utiliser ngif security service.kc plutôt .profile. Parce que si le profile existe, ça veut dire que je suis authentifié. Alors, si je le laisse comme ça, vous allez remarquer, regardez, j'ai ici par défaut, il m'affiche le nom d'utilisateur qui est authentifié. C'est user 1. Je vais faire logout. Alors, logout. Alors, si je clique sur logout, oui, alors, j'ai pas fait logout, voilà. Alors, logout, il est là. Maintenant, si je clique sur logout, je vais vers cette méthode-là. Qu'est-ce que je vais faire? Ben, la même chose. Donc, je vais utiliser this.securityService.kclockService.logout. Tout simplement. Alors, logout. Et après, dans logout, donc, on peut lui transmettre le direct URI. La même chose. Alors, comment vous avez? Il n'y a pas d'objet. Logout. Directement, redirect URI. Alors, c'est quoi redirect URI? C'est la même chose, c'est window, point location, point origin. Alors, ça, c'est pour logout. Et on va regarder ce qui se passe. Alors, ici, donc, je sais faire. Alors, lui ça c'est dans l'interface. Alors ici donc je fais logout. Alors regardez bien dans le logout, il me dit invalide redirect URI. Alors ça c'est un problème au niveau de Keyclock. Il faut que je regarde dans mon client ici clients. C'est plutôt c'est le real. Donc, admin, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Alors, ici, donc, si je vois le real setting, plutôt le client. Alors, client, c'est real, plutôt c'est wallet client. Vous avez logout. Il y a quelque chose, logout, redirect URL. Je n'ai pas précisé tout à l'heure. Alors, admin, web origin. Donc, ça, c'est post. Valid post logout. Alors, ici, donc, j'ai valid post logout. Alors, je pense, ici, donc, j'ai bien mis ça. Donc, il va falloir que je mette soit slash étoile, soit je ne mette pas ça. Alors, c'est pour cela. Alors, si j'enregistre. Alors, je vais accéder à l'application 4200. Alors, je fais login. Bon, je pense qu'il a déjà fait logout. Si je fais login, vous voyez donc déjà login, il me ramène vers user 1. 1, 2, 3, 4. Je suis authentifié, donc il n'y a pas de problème. Logout. Oui, donc logout, c'est bon. Donc, il a fait logout, il est revenu. Donc, là, maintenant, si j'accède, par contre, j'ai logout. Si j'accède à Wallet, regardez, hop, c'est parce que j'ai protégé le Wallet, donc la route. Donc, ici, j'ai user 1, 1, 2, 3, 4. User 1, 1, 2, 3, 4. Bon, je peux voir, pas de problème. Bon, les transactions, je peux. Ici, je n'accède pas aux transactions. Vous voyez donc, parce que les transactions, je les ai protégées par admin. Ce qui n'est pas, ce qui n'est pas plutôt. C'est-à-dire, ce qui n'est pas normal. Alors, ce qui fait que, ici, dans les routes. Alors, ici, donc, je lui dis, voilà, c'est pas ça. Je lui dis donc les rôles user. Pour le moment,
Alors après, les autres portes, on peut les protéger pour la suite. Alors, c'est 4200. Alors, donc, je suis authentifié user 1. Vous voyez, donc là, j'accède à ça. Alors, user 1, bon, je ne peux pas faire les transactions. Ici, je fais logout. Je fais, si je veux accéder aux wallets, je suis authentifié avec Mohamed. 2, 3, 4. Et ici, donc, si je fais mon wallet, c'est parce que je suis à user et admin. Donc, c'est-à-dire, j'accède. Si je fais la transaction, j'accède. Je veux faire un transfert maintenant. Alors, ici, donc, parce qu'en fait, on n'a pas encore réglé le problème côté backend. Il reste un petit détail. Bon, ici, donc, je peux ajouter, donc, il n'y a pas de problème. Alors, et maintenant, il reste quelque chose d'important. 5 minutes, je dois arrêter parce que sinon le reste vous allez le retrouver. Donc en fait le code source de la solution vous pouvez le retrouver, il sera partagé. Alors ici maintenant le voilà, ça c'est le wallet, ça c'est important, c'est wallet service. Bon, on n'a pas encore sécurisé parce que ça c'est l'API GraphQL. Alors pour la sécuriser, on va faire copier-coller ce que nous avons fait pour en fait ce qu'on a fait pour eBank. Qu'est-ce qu'on a fait pour eBank? Nous avons pris donc les dépendances, les deux dépendances ici, Spring Security et Clock Adapter. Donc, on va le faire sur Wallet Service. C'est la première des choses. Contrôle. Ça, c'est la dépendance. Deuxième, c'est que le même dossier de sécurité que j'ai ici, parce que c'est la même chose, c'est le même code. Alors, ce que j'ai fait, c'est j'ai configuré la sécurité avec les deux fichiers, les deux classes que j'ai créées. Alors, c'est donc la security copy, Keycloak Adapter, et Keycloak Security Config. Là, je fais ici la même chose. Wallet, je le copie ici. Passe. C'est parfait. Alors ici, donc, j'ai ma sécurité, elle est là. Bon. C'est la même. Ça, on ne va pas le changer. Ça, on ne va pas le changer. C'est le même. Mais par contre, ici, ce qu'on va protéger, c'est que le problème, c'est que, en fait, RESTPI, ce n'est pas comme GraphQL. GraphQL, toutes les requêtes, elles vont vers le même endpoint. Et qui est, si vous faites d'ailleurs ça, vous allez remarquer, si je redémarre, parce que là, si je le laisse comme ça, et je fais toutes les requêtes nécessitent une authentification, je redémarre. Ça veut dire que pour toutes les requêtes, ils sont envoyés vers le endpoint GraphQL. Parce que c'est le seul, l'unique endpoint pour GraphQL, c'est GraphQL. Mais du coup, donc, ça veut dire que si vous faites toutes les requêtes nécessitent une authentification, ça veut dire qu'on ne peut pas invoquer aucune méthode. Alors, ça, ce n'est pas ce qu'on veut. Parce qu'en fait, on veut laisser passer, mais après, on protège les opérations. D'ailleurs, si vous regardez ici, si vous vous tentez d'accéder maintenant, ici. Si on tente d'accéder à localhost 80 82 slash GraphQL, là on ne peut pas accéder, puisque là c'est verrouillé. Wallet, normalement c'est une exception. Généré me dit real config. Voilà. Alors déjà, donc j'ai oublié quelque chose d'important. Je n'ai pas complété parce que mon fichier Application Properties, il faut lui spécifier les informations sur Keycloak. Bon. Je les récupère dans eBank Service. J'ai le fichier Application Properties. Ben, cette propriété-là, elle est même. Parce que là, il s'agit de la même chose. Donc, il va falloir les copier sur Wallet Service. Voilà. Il faut lui indiquer RIAM et Client ID, etc. C'est la même chose. Parce que tout à l'heure, il n'a pas démarré parce qu'il a besoin de ces informations-là.
OK. Alors maintenant, si vous tentez d'accéder à GraphQL, ben, il vous dit 400, 401. Alors maintenant, ce que je vais faire, je vais lui dire dans Security Config, comme quoi je vais autoriser le endpoint GraphQL, comme ça, CTRL-C, CTRL-V. Et c'est tout ce qui est GraphQL, GraphQL slash étoile, j'autorise. Mais également pour l'interface web que vous êtes en train de voir, c'est GraphQL avec un I ici. Ça, c'est pour juste les tests. Mais ça, c'est le endpoint de GraphQL. Alors maintenant, bon, c'est parce que j'ai autorisé ce endpoint-là, donc il va m'afficher l'interface. Donc là, je peux quitter, etc. Mais tout est permis maintenant. Et par contre, je vais lui dire, maintenant j'autorise, mais après j'arrive à mon contrôleur, c'est-à-dire GraphQL REST API. C'est dans la partie web. Donc ça, c'est le contrôleur de GraphQL. Et bien, je lui dis, ça, il n'y a pas de problème, j'autorise. Voilà. Ça, j'autorise. Countries. Countries by continent, j'autorise. Les continents, j'autorise. Continent by ID, j'autorise. Country by isocode, j'autorise tout ça. Mais par contre, add wallet, non. Je vais lui dire, add wallet, c'est pre-authorize, plutôt pre-authorize. C'est-à-dire ce endpoint, je vais le protéger. Ben, je vais lui dire pour ajouter. Et il faut absolument avoir une autorité. L'IA admin. Alors, j'ai l'autorité admin pour accéder à celui-là. Autre chose, c'est très important. C'est que quand j'ajoute un wallet, regardez ici, qu'est-ce que je fais? J'ajoute un wallet avec quel utilisateur? User 1. Alors maintenant, je veux ajouter un wallet pour l'utilisateur qui est authentifié. Alors qu'est-ce que je veux faire? Eh bien, je vais utiliser Spring Security pour injecter principal. Alors principal, c'est l'utilisateur authentifié. Et à partir de là, je vais utiliser, je vais déclarer keyclock, voilà, keyclock authentication token, web principal. Et je fais un cast vers ça. Passe. Et à partir de ça, je vais accéder à Get Account. Je vais accéder au compte. Vous voyez donc, le JWT, il arrive. Il est récupéré par Keycloak Adapter. Il authentifie l'utilisateur. J'accède au compte. À partir du compte, je peux accéder à Keycloak Security Context. Et j'accède à Get Token. Oui. Et donc, Get Token. Je peux accéder à. Alors déjà, si vous faites ça, je vais créer une variable. Je vais introduire une variable. Alors ça, c'est le token. C'est comme si j'ai récupéré mon access token ici. Donc, vous voyez dans Keycloak, j'ai récupéré access token. Et à partir de token, je récupère ce que je veux. Je veux username. Donc je vais utiliser voilà, c'est preferred username. Ici, donc c'est un string. Donc ça, c'est username. Donc ça veut dire que moi, quand j'ajoute une wallet, je vais l'ajouter, ce n'est pas à user 1, je vais l'ajouter à username. Alors vous voyez donc, le JWT, je suis authentifié, le JWT arrive ici, donc je connais username, donc je vais ajouter le wallet pour moi, celui qui est authentifié, qui crée ses propres wallets. Donc ici, ça, j'ai réglé le problème. Je fais la même chose pour. Je fais pareil pour UserWallet. Ici, UserWallet. Parce que comme vous voyez, donc ici, UserWallet, je récupère que les wallets dans ID égale User1. Alors ici, donc, je vais utiliser la même chose. Principal. Je fais CTRL-V. Et au lieu de ça, je vais mettre c'est username. Et la même chose, donc, je dois protéger ça, UserWallet. Avec pre-authorize. Alors, par exemple, si donc, je vais lui dire, alors pour accéder à user wallet, donc j'ai juste besoin d'avoir le rôle user.
Et après, pour faire le transfert, ici, ça c'est Wallet by ID. Wallet by ID, donc, parce que quand je clique sur Wallet, Wallet Transactions, c'est la même chose. Wallet Transactions, donc j'ai besoin d'être user. Wallet by ID, j'ai besoin d'être un user. Et pour faire le transfert, Wallet Transfer, là, j'ai besoin d'être admin. Et par contre, et ici, quand j'appelle Wallet Transfer, eh bien, Wallet Transfer que vous voyez là, dans le service, alors, vous rappelez, donc, le wallet transfert, il envoie une requête vers le service e-bank. Donc, ici, donc, j'utilise RestTemplate. J'envoie une requête en utilisant RestTemplate. Alors, je le vois ici. C'est à ce niveau-là. Quelque part, voilà. J'utilise RestTemplate ici. J'envoie une requête vers l'IURI. Parce qu'une fois que je fais le travail, j'ai besoin de prendre l'autorisation chez eBank. Je lui envoie une requête. Et cette requête-là, maintenant, c'est RestTemplate. Alors maintenant, si je veux que j'accède, il faut envoyer le token avec la requête. Donc, ça veut dire que ma RestTemplate, il faut injecter le access token. Alors, pour le faire d'une manière très simple, eh bien, au lieu d'utiliser RestTemplate, Cakelock vous donne un objet qui s'appelle CakeLock RestTemplate. CakeLock RestTemplate. Donc, ça veut dire que ici, au lieu de créer l'objet RestTemplate, je vais créer CakeLock RestTemplate. CakeLock. CakeLock RestTemplate. Il est là. New. RestTemplate. Donc, au lieu de RestTemplate, c'est CakeLock RestTemplate. Ici, il faudrait lui transmettre quelque chose. Je vais récupérer rapidement. Alors, je reviens toujours sur GraphQL. Alors, voilà, il faut lui transmettre un cakelock. Ça, c'est RestTemplate. Donc, c'est pas ici. RestTemplate, il faut lui transmettre un objet cakelock client request factory. Ici. Client request. Là, il faut mettre ici clock client rest factory. Alors là, il ne le trouve pas dans le contexte parce qu'il faut ajouter une méthode dans la classe security config ici. Juste après clock configuration, il faut ajouter enable cakeclock, enable quelque chose. Alors, ce enable-là, on va le retrouver rapidement. Alors, enable. Donc, je suis là. Ici, ça doit être celui-là. Celui-là. Donc, c'est enable global method et après component scan. Voilà, c'est ça. Alors normalement, ça n'existait pas dans les anciennes versions. Donc là, il faut l'ajouter ici. Alors, component scan. Et il faut scanner cette classe. Alors, cakeLockSecurity.class. Si vous faites ça, et si vous revenez maintenant à l'application, là, maintenant, il va reconnaître. Il va injecter Cakelock. Donc, si donc j'ai créé Cakelock RestTemplate, maintenant dans mon service que j'ai utilisé ici, donc Wallet Service, alors ça c'est le service, donc Wallet Service, et bien au lieu d'injecter ici RestTemplate, je vais utiliser Cakelock. RestTemplate. Okay. Clock. RestTemplate. Oui, donc je l'appelle RestTemplate. Et là, il n'y a rien qui va changer. RestTemplate. Mais c'est quoi la différence?
Alors maintenant, ce kickLock REST template, à chaque fois qu'il envoie une requête HTTP, automatiquement, il envoie le header authorization avec le JWT token. Donc ça veut dire que le microservice, il authentifie la requête, il a le JWT, mais quand vous dites REST template, il envoie le header, plutôt le token avec le JWT. Et du coup, donc, ici, nous avons réglé tous les problèmes, quasiment. Et nous avons implémenté notre architecture que je vous ai présentée au départ. C'est là. Donc, nous avons le front-end qui communique. Vous voyez donc la communication se fait. Vous voyez donc si les requêtes restent, c'est grâce à kickLock REST Template, le JWT. Et vous avez tout. Enfin, bref, peut-être ça nécessite un peu plus de réflexion. Mais le service est démarré. Alors maintenant, si je regarde déjà une chose, localhost 4200. Alors, si je suis authentifié, je fais logout, je suis authentifié en tant que Mohamed. Si je veux accéder au wallet, bon, là, je n'ai rien. Mais pourquoi je n'ai rien? C'est parce que maintenant, je charge user wallet. Or, dans ma base de données, il n'y a aucun wallet pour l'utilisateur Mohamed. Mais par contre, si je suis authentifié en tant que, je fais logout, je suis authentifié en tant que user 1, si je fais user wallet, j'ai les wallets. Mais par contre, si je suis authentifié en tant que Mohamed, 1, 2, 3, 4, alors pas de wallet, mais je peux les créer. Alors je vais créer une wallet pour moi, avec 900 euros, il s'ajoute. Je crée une autre wallet en dollars, etc., etc. En mode, je crée des wallets. Pour chaque wallet, j'ai des transactions. Alors, regardez maintenant la transaction. Je voudrais transférer à partir de cette wallet-là vers celle-là. Vers Ondirin, par exemple, pour ne pas avoir le problème de fond. Alors, c'est-à-dire, je vais de là, je vais lui dire, je vais transférer vers cette wallet sans dire. La transaction, ça passe. La preuve, c'est que maintenant, je communique avec GraphQL, plutôt avec Wallet Service, et Wallet Service communique avec eBank. Le token, il traverse, et c'est vraiment, en fait, c'est l'objectif de l'activité pratique ici. Mais après, pour les autres, ici, donc, je n'ai pas besoin d'authentification. Peut-être ici, là, pas de problème. Currency, pas de problème. Donc, c'est toujours ici, on a protégé avec le rôle admin. Mais normalement, on devrait le protéger avec le rôle user. Mais en tout cas, c'est bon. Alors, donc, ça, c'est l'essentiel de cette application. Alors, la dernière des choses, c'est qu'avec kickLock, quand je fais logout, si je fais login, vous avez un formulaire comme ça. Mais après, vous dites, moi, je veux ajouter des choses. Bon, avec kickLock, on va aller vers kickLock, on va lui dire, tiens, ici, authentication, ici, dans authentication, alors, donc, require action déjà, real setting, dans login. Login. Regardez, je vais dire à kickLock, je veux ajouter user registration. Je veux ajouter forgot password. Je vais ajouter remember me. Je veux ajouter email as username. Je veux ajouter, etc. Et regardez, vous revenez vers votre formulaire. Authentification, qu'est-ce que vous voyez? Ben, il vous ajoute forgot password, register. Je peux ajouter un utilisateur. C'est-à-dire, l'utilisateur, il peut se faire un register. Il peut saisir ces informations. Il peut, voilà. Donc, on peut faire forgot password. Il vous dit quel est le, donne-moi username. Par exemple, user 1. Alors, user 1, 1, 2, 3, 4, bon, etc.
Alors, ici, donc, le. Alors, ça, c'est logout. Voilà. Alors, ici, donc, au niveau de là. Et après, vous pouvez ajouter d'autres choses. Par exemple, ici, si vous voulez faire l'authentification via Facebook, ou bien vous voulez faire, c'est-à-dire, vous avez ici Identity Providers. Vous pouvez connecter Cakelock avec, ouais, donc vous ajoutez donc l'authentification Facebook, GitHub, etc. Bon, ça c'est vraiment, vous voulez le connecter avec un annuaire LDAP ou Active Directory, c'est des choses très, très, très simples, c'est pas compliqué. Je n'ai pas le temps de parler de tout ça. Et par exemple, au niveau authentication, par exemple, ici, si vous avez un utilisateur, vous voulez faire double authentification OTP. Ça, c'est des choses, par exemple, classiques. Par exemple, l'utilisateur Mohamed. Ici, donc, je vais ajouter ici Identity Provider Consent, Groups, Role Mapping, Credentials. Détail. Alors, ça, c'est l'utilisateur. Donc, ça, c'est User. C'est pas ce que je voulais. Alors, User, c'est ça. L'utilisateur. J'ai vraiment une credentials. C'est bien ça, c'est un bon mot de passe. Alors, c'est authentication. Alors, vous avez donc plein de choses comme Require Actions, par exemple. Vous voyez ici Config OTP. Alors, le Config OTP, c'est-à-dire pour des utilisateurs précis, vous voulez par exemple faire double authentification. Il va saisir son username et son mot de passe et après, il demande un autre formulaire pour demander un code. Alors ce code-là, après, vous pouvez utiliser un SMS ou bien vous pouvez utiliser des applications comme Google Authenticator. C'est une application mobile qui permet d'utiliser donc l'algorithme One Time Password, c'est-à-dire qui vous affiche le code qu'il faut taper, qu'il faut saisir. Alors je pense dans quelques vidéos sur ma chaîne, l'utilisation de Keycloak, j'ai parlé déjà de ça. Alors, vous pouvez y revenir et vous pouvez retrouver tout ça.